Donc le vendredi 14 octobre dans la matinée, et Ramon, tu te rends comme tous les matins dans ton bureau du CDC, le Centers for Disease Control and Prevention, où tu travailles depuis quelques années, et tu es en train d'abattre les affaires courantes lorsque Bruce, un de tes collègues de travail qui est responsable du courrier, t'apporte un colis UPS qu'il laisse sur ton bureau en te faisant un petit signe et en te demandant la signature qui va bien avec. Eh bien, j'appose ma signature, je demande si le colis est bien passé par les protocoles de sécurité normaux d'accueil de livraison qu'il y a au CDC, j'imagine. Il te dit que absolument, ouais. Donc, fait dans les règles de l'art. Ok, bah non, mais je pense que c'est quoi comme type de colis ? C'est un colis carré C'est un carton taille classique, je dirais. Ok, bah je prends, je pense que sur la table j'ai quelque chose pour ouvrir les colis et je l'ouvre précautionneusement. Ça vient d'où déjà ? Je regarde d'où ça a été expédié. Écoute, tu vois que ça a été expédié de New York. Donc c'est là où je suis. Ouais, hein. Central Post à New York. Ok, j'ouvre le colis. Je vais quand même... Écoute, c'est quand même mon métier. Je suis quand même en contact avec des maladies tous les jours. Un peu. Donc j'enfile quand même des gants. Tu vois, je pense que j'ai toujours une petite boîte de gants. Donc surtout, on est en plein Covid, hein, c'est ça ? On est en post-Covid, là ? Ouais, en post-Covid, ouais. Ouais, je pense que c'est quasiment le protocole quand on reçoit des colis. Donc, j'enfile mes gants, des petits gants, et j'ouvre le colis. D'accord. Tu ouvres le colis, tu vois que à l'intérieur, il y a du papier bulle gomme. Il y a l'air d'avoir quelque chose à l'intérieur du colis, mais il est emballé dans du papier bulle. Encore une fois, précautionneusement, j'ouvre lentement le papier bulle. Ok. Petit à petit, les différentes strates du papier laissent apparaître un téléphone portable. Visiblement un ancien modèle. C'est ça, un modèle ancien, d'accord. Là, tout de suite, ça m'interpelle. J'ai pas l'habitude de recevoir des colis comme ça. J'ai l'habitude de recevoir des courriers classiques, dirons-nous. Étant donné que j'ai mes gants, parce qu'en fait, ce qui m'inquiète là, c'est que j'ai pas envie de, tu vois, de, si jamais il y a des preuves substantielles, des empreintes ou quoi, j'ai pas envie de les abîmer. C'est ça qui m'embête. Donc, je vais quand même l'allumer sur le côté et éviter de toucher le clavier. Écoute, quand tu prends le téléphone et que tu l'allumes, tu vois qu'il n'y a pas de mot de passe, visiblement, qui a été configuré. Il s'allume directement. Et sur l'écran, tu vois l'icône d'une petite enveloppe. J'ouvre le message. Alors, c'est un message, comme c'est un vieux téléphone, c'est une icône en fait qui préconise un message audio qui a été préenregistré visiblement. Ouais, je porte le téléphone. Il n'y a pas de haut-parleur, j'imagine, c'est un vieux modèle, donc je le mets comme ça et j'écoute le message.
Agent Mowers, vous êtes attendu demain matin à 8h30 précise au Taylor Building sur Chatham Square dans le quartier chinois de l'East Side Manhattan. Vous serez reçu sur place par Samuel, votre officier traitant, pour le briefing opérationnel. Merci de vous préparer et de prendre les dispositions nécessaires pour une mission qui pourrait s'étendre sur une petite semaine. Quand vous aurez entendu ce message, enlevez immédiatement la batterie du téléphone et détruisez celui-ci. Ok. Je peux me permettre de le réécouter ? Bien sûr. Et d'ailleurs, pendant que tu écoutes ce message, nous allons quitter New York pour nous rendre à Baltimore. Nous sommes à Baltimore, petit matin, dans les bureaux de l'USMS, le quartier général des US Marshals de Baltimore. Et Frankie Decoto, tu es arrivé comme tous les matins dans ton bureau pour regarder la liste des choses que tu pourrais avoir à faire aujourd'hui. Escorter des prisonniers, aller chercher une personne inculpée pour la conduire devant la justice. Très bien, je regarde ce qui est à l'ordre du jour. Ouais, tu regardes à peu près la même chose que d'habitude, puis tout à coup t'entends comme ça dans le bureau d'à côté, tu sais que c'est le bureau de Jackson Barnett, ton patron, qui fait « Decoto ! Decoto, ramène-toi ! » Ah, il me les brise, lui, bon, bah j'y vais. Tu rentres dans le bureau de Jackson Barnett, ton patron, qui est pas très bien. Mais en fait, tu l'aimes bien, ça fait des années que vous bossez ensemble, tu sais qu'il est, c'est juste un mec un peu bourru, un ours, mais... Il y a un agent fédéral de tout là-haut qui est venu ce matin me donner un paquet pour vous. Alors, tout là-haut, là-haut ? Ouais, tout là-haut, ouais. Apparemment, vous êtes transféré pendant une semaine sur un détachement pour une opération fédérale, confidentielle, mon cul, je sais pas trop quoi. Je sais pas quel bite vous allez sucer à Washington, mais c'est toujours vous qui récupérez les bons plans, mon petit Decoto. Je ne suis que la vôtre, patron. Bon, allez, je vous donne ça. Vous allez à côté, vous disparaissez, et puis je veux plus en entendre parler. Et je reviens dans une semaine. J'espère. Je peux vous demander un budget particulier pour l'opération si. C'est pas moi, c'est pas une opération du SMS, c'est une opération qui vient de là-haut, vous démerdez avec eux. Déjà que je suis bien gentil de faire le postier. Merci, patron. Tu le vois ? Je quitte donc son bureau et puis je vais. Est-ce que ça s'est affiché ? Regarder tout ça. Ouais. Tout à fait. Donc je le regarde. Et bien pendant que tu le regardes, nous allons retourner à New York. Toujours le même matin à New York, à peu près à la même heure. Sarah Spencer, tu as l'habitude, avant de te rendre à ton agence du FBI qui se trouve au Federal Plaza à New York, de prendre un café et parfois un petit déjeuner, lorsque tu te le permets, dans un café qui s'appelle Le Gusto, qui est juste en bas de l'immeuble de l'agence. Et tu connais tout le monde là-bas. Quand tu t'assois... à ta place, on t'amène ton café, parfois des œufs brouillés quand tu fais signe, et ton journal. Et derrière toi, la télévision donne les nouvelles du matin. Visiblement, il y a eu un feu à New York hier soir. Rien qui ne te concerne. Un serveur passe, dépose ton café et le journal du matin. Que fais-tu ? Je remercie le serveur, merci beaucoup. Tu fais un signe et il part en cuisine. Et j'ouvre le journal tout de suite. Le journal est plié à l'envers. Quand tu l'ouvres, en fait, ce n'est pas sur la première page, tu tombes directement sur la page arrière où tu aperçois une grille de mots croisés. Je vais te montrer cette grille de mots croisés. Petit matin, on est au QG du FBI de New Haven, où Clarice Riptide rentre dans son bureau. Clarice, comme tous les matins, premier réflexe. Excuse-moi, c'est FBI ou CIA ? CIA, c'est une erreur de ma part, pardon. Tu ouvres ton mail, comme tous les matins. La première chose que tu vois, c'est que tu as reçu un mail, que voici. Tu le vois ? Ouais, je le vois. Carrément. Hmph.
Et le rendez-vous, comme vous l'avez compris, est tôt le matin, le lendemain matin. Alors ceux qui sont plus, il y en a qui sont plus proches que d'autres. Mais si vous voulez nous expliquer un petit peu ce que vous comptez faire ou avant ce départ, ou en tout cas avant ce rendez-vous, on vous écoute. Ok, moi je me lance. Donc, je passe ma journée au CDC, je règle un peu les dossiers prioritaires, je préviens mes collègues que je vais devoir m'absenter au moins peut-être pendant une semaine. Ils ont l'habitude, hein, je pars souvent sur des opérations à l'étranger ou aux États-Unis pour traiter des maladies ou ce genre de choses. J'essaie de rentrer tôt, je vois avec mon supérieur si je peux rentrer un peu plus tôt ce soir. Il sait que je suis détaché sur un truc pour essayer de passer un peu de temps avec ma famille. Et donc, j'essaye de profiter de ce moment voilà, avec ma femme et ma fille. Elle sait que je pars, elle sait que je peux pas trop lui dire où, elle a l'habitude de ça, mais c'est toujours un peu compliqué quoi ces moments. Donc j'essaie de voilà de chérir ces instants-là, sachant que j'ai l'habitude aussi de partir dans des voilà sur des endroits où c'est pas toujours gagné que je revienne tout à fait comment dire normal, en tout cas en termes de santé. Donc voilà, donc je profite de ces instants, j'essaie de me reposer, je prépare un sac, mon matériel de médecin et d'analyste et puis voilà. Ramon, comment est-ce que ta femme, gère le fait que tu sois envoyé sur des missions sans pouvoir vraiment lui parler de ce que tu fais ? Ça a toujours été comme ça, hein, tu vois, j'ai toujours travaillé sur les épidémies, sur les maladies. Elle sait depuis, ça a été encore plus dur les deux dernières années, tu vois, avec le suivi du Covid. Donc j'étais beaucoup en déplacement, j'ai pas été très présent pour ma fille. Mais c'est mon métier, elle sait que moi, ce que j'aime, c'est essayer d'aider les autres et comprendre surtout. Du coup, elle fait avec, mais je sens que c'est dur. Je sens que c'est dur. Moi, je termine la paperasse du jour rapidement. Visiblement, je suis attendu ailleurs et pas attendu ici. Donc, j'en profite pour prendre la journée. Je rentre chez moi. Je fais ma routine de 50 pompes, 50 tractions avant d'attaquer une demi-heure de HIIT. Une fois que j'ai terminé mon cardio, je vais courir une heure. Ensuite, je vais à la salle soulever de la fonte. Quand j'ai terminé, je passe à la salle de tir. Je vide 4 chargeurs. Dont 2 chargeurs d'armes lourdes. Ensuite, je rentre chez moi, je me fais un copieux déjeuner, j'attends, je fais ma valise après avoir nettoyé mes armes, rangé mon matériel. À 16h00, je suis prêt à partir. Malheureusement, mon avion n'est que demain, alors je regarde un peu la télé en espérant y trouver un bon polar. Ok, Sarah Spencer. Alors moi, je poursuis ma journée auprès du Hostage Rescue Team. Aujourd'hui, heureusement, on n'a pas de mission spéciale. Je préviens mon supérieur que je vais devoir partir pour une semaine. En fait, il est déjà au courant que vu mon passé militaire, il m'arrive de partir pour procéder à des formations un peu psychologiques auprès de mon ancien supérieur militaire et que il m'arrive de devoir m'absenter pour faire ce type de mission. Donc, il a l'habitude. Je termine ma journée, je rentre chez moi, je me fais à manger, je vis seule. Et je profite de cette soirée pour appeler mes frères et ma sœur, les uns après les autres, pour se donner des nouvelles et les prévenir que je ne serai pas là à notre déjeuner dominical, mais que je serai au prochain et je prends des nouvelles. Voilà. Clarisse. Eh ben moi, je vais prévenir mon supérieur que je serai absente une semaine. Et ensuite, je vais voir mes collègues Rosanne et Kim, et je les invite à passer une soirée avec moi au bar le plus proche, pour qu'on, c'est moi qui régale quoi. Je leur dis j'ai une bonne nouvelle, et c'est moi qui régale. Et donc, on va faire la fête toute la soirée et plus si affinité. Et ensuite, je vais me coucher tard. Clarisse, c'était quoi cette bonne nouvelle ? Je peux pas vous le dire, mais là je pars pendant une semaine.
pas envie de vous dire où, quoi, comment, quoi. Pas besoin de se le dire, quoi. C'est juste quelque chose qui va me faire très plaisir. Qui va me changer un petit peu du train-train, et donc, voilà. Mais on n'est pas là pour discuter boulot, on est là pour boire un coup et danser. Et éventuellement draguer. Donc une bonne soirée. Nous sommes donc le lendemain matin et Chatham Square dans le Lower East Side de Manhattan à New York. C'est une petite place dans le quartier chinois entourée de bâtiments anciens de New York. Où il y a principalement des commerces de bouche. Alors, bon, il y a des restos, etc. Mais c'est vraiment au cœur du quartier chinois, Chatham Square. D'ailleurs, il y a une statue en plein centre de, si je me rappelle bien, un des grands penseurs chinois. Et vous devez vous rendre au Teller Building. Le Teller Building, c'est un building qui est en construction. Et dans lequel, a priori, vous pouvez accéder. Mais pour y accéder, en fait, il n'y a pas 500 manières d'y accéder parce qu'en fait, il est fermé par des bâches, etc. Il y a juste une porte de chantier. Et les premiers d'entre vous qui arrivent, d'ailleurs, qui sont les premiers d'entre vous à arriver à ce rendez-vous ? Moi, je pense que j'arrive assez tôt. J'habite à New York, hein, donc. Ouais. Moi, je suis toujours très à l'heure. D'accord, il y en a un qui voulait arriver vraiment genre bien avant l'heure de rendez-vous ? Oui, moi j'aimerais aller là 45 minutes avant pour voir les issues, surveiller les toits, voir qui entre, qui approche, et détecter éventuellement des comportements suspects de personnes qui surveilleraient l'accès également. Bien, alors tu vois que cet accès est en pleine rue et que, comme toutes les rues de Chinatown, elles sont assez bondées. Surtout à cet horaire où les gens vont au travail et où les commerces commencent à ouvrir. Après, ce que tu vois de particulier, c'est qu'il y a logiquement les accès aux chantiers sont toujours barrés avec des cadenas, quoi. Enfin, tu peux pas y pénétrer facilement. Alors que là, il y a une chaîne, mais elle a pas l'air d'être cadenassée. Voilà, c'est tout ce que tu peux voir avant d'ouvrir cette porte et de. Moi, j'attends l'heure pour y aller. J'essaie de voir qui y entre avant moi. Écoute, arrivé à quelques minutes de l'horaire, tu vois. Je vais te laisser les autres se présenter pour dire ce qu'ils voient, qui ils voient plutôt. Très bien. Moi, je suis américain. Ma mère est d'origine argentine. J'ai les cheveux un peu mi-longs. Voilà, je suis un civil. Tu le notes, je pense tout de suite que je suis pas. Voilà, tu sens tout de suite que j'ai pas peut-être la prestance et la carrure d'un militaire. Je suis médecin. Mais ça, tu le découvriras plus tard. Et en effet, est-ce que tu as une trousse de médecine ou quelque chose ? Bien sûr. Ouais, j'ai un sac à dos. Tu vois plutôt le côté baroudeur, peut-être. Gros sac à dos, un peu trekking, tu vois, équipé comme ça. Grosse mallette hazmat et sac en bandoulière, sacoche de médecin. Tu vois, tu te dis plutôt, je suis plutôt un médecin qui voyage et pas spécialement à l'aise. C'est-à-dire, je regarde à droite, à gauche, je suis plutôt sur le qui-vive, mal à l'aise, un petit peu intimidé par tout ce qui se passe. Et je pénètre le bâtiment. Je vois en effet, je pense comme toi, qu'il y a un cadenas qui a sauté. Et j'attends quelques minutes en espérant que quelqu'un se présente devant le bâtiment. Mais on m'a pas dit de rentrer dans le bâtiment. Je ne vois personne. Si. Donc, en fait, quand tu arrives devant l'endroit qui est cadenassé, tu jettes quand même un petit coup d'œil à l'intérieur, puisque c'est même entrouvert. C'est derrière une bâche, c'est assez protégé de la rue. Tu vois un long couloir, et au bout du couloir, tu vois un colosse, un grand black, super baraqué, qui attend devant une porte blindée, tout au bout du couloir. Et qui a une petite oreillette. Et il est au bout du couloir. J'y vais. Bonjour. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Samuel. Bougez pas. Là, il se baisse. Il prend une petite boîte en plastique, comme ça. Il fait téléphone portable.
Tenez. Tu mets le téléphone dans la boîte, il se pousse, il ouvre la porte derrière lui, il te dit de rentrer. Tu rentres dans une pièce qu'on va te décrire plus tard. Ensuite, tu vois arriver, depuis ton cache, ta cache, Francky, tu vois une voiture qui s'arrête et tu vois sortir Clarisse Raptide. Clarisse, est-ce que tu peux te décrire ? J'ai 37 ans, je suis psychologue. Oh, une rouquine, il manquait plus que ça, ok ? Avec de belles lunettes. Tu vois une porte, tu vois une porte entrouverte. Derrière, tu vois, il y a effectivement des échafaudages avec des bâches, et derrière un des échafaudages, tu vois une porte entrouverte dont le cadenas a apparemment été enlevé. C'est la seule entrée que tu vois dans cette immeuble. Je me dirige vers cette porte, un peu intimidé quand même. J'ouvre la porte et je regarde ce qui se passe à l'intérieur. Enfin, j'appelle, je dis oh, il y a quelqu'un. Tu vois un grand black au bout d'un couloir. Tu vois un grand costaud comme ça, un grand black. On dirait un videur de boîte de nuit qui attend. Il a une petite oreillette Bluetooth sur l'oreille. Autour de toi, c'est du BA13 tout neuf. Il y a un peu de plâtre par terre. Tu vois que les travaux sont probablement finis depuis même pas une semaine. L'immeuble, il vient d'être tout juste fini. Il est probablement pas encore occupé. Et au bout de ce couloir, tu vois ce grand mec qui attend devant une porte blindée. Non, mais je m'adresse à lui et je lui dis Samuel. Ouais, bougez pas. Il se baisse et te tend une petite caisse en plastique qui fait téléphone portable. Dedans, il y a un téléphone portable dedans ? Ouais, il y en a un autre. Ben, je le prends. Là, il te prend la main et il fait « Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de faire ?» Vous m'avez dit téléphone portable et vous m'avez montré un téléphone portable. Le vôtre. Je prends le téléphone portable. Non, vous mettez le vôtre là-dedans. Parlez, quoi. Je mets mon téléphone dans la petite boîte. Il la repose par terre, il ouvre la porte blindée derrière lui, il dit vous pouvez rentrer. À l'intérieur, tu vois deux personnes. Je rentre. Et nous reviendrons à toi plus tard. Ensuite, tu vois arriver Sarah Spencer, mon cher Francky. Sarah Spencer. J'arrive, moi j'ai les cheveux tirés en arrière, voilà, des lunettes de soleil, une cravate, j'ai une chemise, je suis, mais un pantalon quand même un peu souple. Voilà à quoi je ressemble. Donc pareil, tu vois la même chose, tu vois donc les échafaudages, une bâche, derrière une ouverture, tu vois une porte qui a été ouverte. La même chose, couloir, au bout du couloir, tu vois un grand noir. Je vais de manière assez déterminée et je me présente. Il se baisse, il te montre une caisse. Samuel. Il te montre une caisse dans laquelle il y a deux téléphones portables. Il te fait « Votre téléphone portable, le vôtre !» Vous le mettez là-dedans. Je mets mon téléphone portable. Et je regarde un peu bizarrement. Il le pose, il ouvre la porte, tu vois trois personnes à l'intérieur, il te dit c'est là. Merci. Tu rentres. Je me sors de ma cache et je me rends au rendez-vous. Tu arrives devant ce grand noir qui te montre une caisse en plastique avec trois téléphones portables à l'intérieur. Tu dis, je prends la caisse en plastique. Non. Ils sont cons aujourd'hui. Ah pardon. Ils sont complètement cons. Je lui donne mon téléphone portable. Ouais, vous avez compris. Vous êtes tous rentrés, mais les trois qui sont déjà à l'intérieur voient rentrer le quatrième. Tu vas pouvoir te décrire. Tout à fait. Je suis un homme d'une quarantaine d'années, assez sec. Les cheveux en brosse. J'ai une cicatrice sur la joue gauche qui me strie complètement le profil du visage. Voilà, j'ai une veste en cuir, vêtements assez près du corps, et je vous fixe d'un regard froid. Sauf Clarisse que je ne regarde pas. Bien. Vous êtes rentré dans cette pièce. Dans cette pièce où vous vous retrouvez à présent, qui par rapport au reste de l'immeuble a l'air plus terminé et dont les murs vous paraissent au premier coup d'œil avoir été capitonnés de manière à ne pas laisser les sons
facilement les percer. Il y a une table et il y a un homme face à vous qui doit avoir donc une cinquantaine d'années, qui porte une, un imperméable noir, un costume noir, des lunettes noires et qui fume sa cigarette dans une ambiance. Hop. Donne peu de doute sur le fait que ça soit Samuel en question. Il est face à vous, il vous regarde et sans vous parler, il vous fait signe de vous asseoir autour de cette table. M'assois. On s'exécute, ouais, moi je m'assois aussi. Asseyez-vous, prenez place. On s'assied. Enfin, je profitez-en, c'est probablement la dernière pause que vous allez avoir avant longtemps. Bonjour. Bon, les quatre sont là à l'heure, c'est un bon début. Vous vous en doutez, vous avez déjà quasiment tous travaillé pour nous, certains sur le terrain, d'autres pas sur le terrain. Si vous êtes là, c'est que vous allez être affecté à un détachement opérationnel. Pour une mission un peu particulière. N'hésitez pas à prendre des notes. Ou alors, servez-vous de votre cervelle. La mission, elle a été baptisée Opération Iago. Bon, les choses sont un peu vagues, hein, je vous le cache pas. C'est un peu dans l'urgence qu'on a décidé de faire cette mission. Vous allez devoir enquêter sur la mort d'un agent du FBI qui était lui-même l'un des nôtres. Il a travaillé pour Delta Green pendant des années, on lui doit beaucoup. Cet homme, c'est Arthur Donnelly. Chez Delta Green, on devait beaucoup à cet homme, et malheureusement, il se serait suicidé. Donc vous allez devoir enquêter non seulement sur son suicide, mais surtout, plus spécifiquement, sur le lieu où Donnelly s'est donné la mort. C'est une maison. Une maison un peu particulière qui se trouve au 1206 Spooner Avenue, à Meadowbrook, dans le New Jersey. Meadowbrook, c'est une petite bourgade du New Jersey, à une petite demi-heure de Trenton. Le but principal de votre mission, c'est de confirmer ou non la rumeur selon laquelle cette maison représenterait une menace permanente pour le public. Si c'est le cas, il va falloir documenter précisément la nature de cette menace. C'est basé sur quel... Oh là, voilà. On se calme, US Marshal. Une fois que vous aurez mené votre enquête sur la nature de la menace, les raisons du suicide de notre regretté agent, vous devrez me téléphoner, m'appeler, moi, votre officier traitant. Et je vous donnerai éventuellement des instructions supplémentaires pour vous dire s'il faut ou non détruire la menace en question et boucler l'opération, nettoyer derrière vous, tout le tout team, vous savez comment ça marche. Première chose que je vais vous donner, c'est un petit brief du timeline. Les seuls éléments dont nous disposons. Voilà. Donc le 1er octobre, Donnelly, l'agent Donnelly, il s'est rendu dans cette demeure. Et il n'en a informé ni son bureau du FBI, à Trenton, ni son officier traitant chez nous. Faisant fi des protocoles habituels. Alors personne ne sait pourquoi, certes, c'était sa ville natale, Meadowbrook, mais il n'avait plus de famille là-bas, plus d'amis là-bas, aucune raison apparente d'y retourner. Le 5 octobre, 4 jours après, son ex-femme, s'inquiétant de ne pas avoir de ses nouvelles depuis plusieurs jours, a appelé le bureau du FBI de Trenton, là où il bosse, dans le New Jersey. Les collègues lui ont dit qu'il n'était pas là depuis le 1er octobre. Du coup, le 6 octobre, deux de ses collègues du bureau de Trenton sont allés vérifier l'appartement de Donnelly à Trenton. Aucune trace de lui depuis le 1er octobre, là non plus. Ils sont rentrés à l'intérieur, ils ont trouvé son téléphone portable. Comme s'il avait oublié son téléphone en partant, ce qui est un peu inhabituel pour un agent comme Donnelly. Le 7 octobre, le lendemain, les agents ont étudié les mouvements récents de Donnelly grâce aux données de son téléphone portable. Ils ont noté que leur collègue s'était rendu très régulièrement à une adresse de la petite ville de Meadowbrook, le 1206 Spooner Avenue, dont je vous parlais tout à l'heure. Le 8 octobre, ils sont allés inspecter cette adresse. Dans la maison, ils ont trouvé le corps de Donnelly, étendu dans la chambre principale.
Sa gorge avait été tranchée nette, comme avec un rasoir. Il y avait tant de sang sur les murs autour de lui que l'un des agents du FBI a déclaré qu'on aurait dit que quelqu'un avait fait exploser une bombe pleine de sang dans la pièce. Ça, c'est pour la timeline. Mais j'ai d'autres choses à vous donner. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Spooner Avenue, c'est une petite rue résidentielle qui traverse la petite ville de Meadowbrook, dans le comté de Burlington, à une demi-heure de route de Trenton. Sachant que Trenton, ça a 1h30 de route d'ici. Hein. Alors d'abord, il y a eu une enquête du FBI. La première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont alerté la police locale. La police a fait venir un légiste, le légiste du comté, sur place. Celui-ci a déclaré que la cause la plus probable de la mort était le suicide. Bien que l'arme ayant servi, une lame très coupante, probablement un rasoir ou quelque chose comme ça, n'a pas pu être retrouvée près du corps. Vous en doutez, quelqu'un qui se suicide avec un rasoir, le rasoir qui disparaît après, c'est bizarre. Bon, on peut très bien avoir volé le rasoir après son suicide. Les agents du FBI ont noté un fait plus étrange encore. Parce que le légiste, il leur a dit qu'il y avait une autre femme qui s'appelle Yamila Isari, qui était la précédente propriétaire de cette maison, et qui a été retrouvée morte exactement de la même manière, 16 mois auparavant, dans des circonstances absolument identiques. La gorge tranchée, avec la même précision, aucune arme retrouvée sur place, donc encore une fois, un suicide sans arme. En jugé par ses nombreuses visites récentes et l'historique de son navigateur web, l'agent Donnelly avait développé une sorte d'obsession pour la maison qui se trouve sur Spooner Avenue. Alors, c'est vrai que la maison est réputée pour avoir une histoire un peu étrange, mais elle n'était pas liée à la moindre enquête criminelle, ni chez nous, ni chez eux, ni nulle part, ni au FBI, ni à la police. L'affaire a été très vite étouffée à la demande du FBI et disons que nous avons un peu aidé à ce que ce soit étouffé. On a fait en sorte que l'enquête officielle soit rapidement classée. L'avantage, c'est que Donnelly était connu pour être un peu dépressif et angoissé. Et cette affirmation, d'ailleurs, a été étayée par ses collègues et par son ex-femme, qui ont dit qu'effectivement, il n'était pas bien ces derniers temps. Donc, on a fait en sorte que la police locale conclue à un suicide. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi je vous ai demandé de vous taire, Yes Marshall. On a aidé. Et on n'est pas, la police locale n'est pas allée chercher plus loin, ils ont classé l'affaire en suicide. Bon, la tragédie a été en plus racontée dans un article du journal local qui s'appelle le Meadowbrook Sparrow. Il y a eu un article sur la mort de l'agent Donnelly, je peux vous le montrer, le voilà. L'agent du FBI, Arthur Donnelly, a été retrouvé mort hier au 1206 avenue Spooner par ses collègues du bureau de Trenton. Les agents du FBI le recherchaient puisqu'il avait disparu depuis 2 ou 3 jours et ont retrouvé son corps dans la chambre principale de cette maison vieille de 100 ans et célèbre de Meadowbrook. Sa gorge avait été tranchée nette comme par un rasoir. Son sang recouvrait le sol. Les murs. L'un des agents a déclaré alors qu'on aurait dit qu'une bombe pleine de sang avait explosé dans la pièce. Les agents du FBI ont immédiatement prévenu le chef Buffington du commissariat de police de Meadowbrook, qui a appelé le légiste local. Ce matin même, le légiste a statué que la mort était la suite d'un suicide, même si aucune arme du suicide n'a été retrouvée sur place. D'après lui, il n'y a pas d'autre explication rationnelle à apporter à cette affaire. Plus important encore, ou un phénomène à signaler, c'est que ce brave Donnelly a suivi les pas de cette dame, Mrs. Yamila Isari, ancienne propriétaire de la maison. Comme nos lecteurs s'en souviennent peut-être, son corps avait été retrouvé dans des circonstances similaires quelques 16 mois plus tôt. Alors,
Y aurait-il une malédiction sur le 1206 Avenue Spooner, où il y aurait déjà eu, comme l'affirme le conseil du comté, il y aurait eu plus d'une douzaine de morts violentes, en incluant au moins six suicides. L'agent Donnelly avait réputation parmi ses collègues, et ceci a été confirmé à nos journalistes par sa femme, son ex-femme, qu'il était dépressif, avait un caractère obsessionnel et était submergé par le stress. Depuis quelques mois déjà, il avait l'air particulièrement obsédé par cette maison de l'avenue Spooner, qu'il était sur le point d'acheter après le suicide précédent, de la propriétaire précédente. Clairement, la maison a une histoire très étrange, mais n'était pas en lien avec son travail au FBI, ni aucune enquête criminelle en cours. La police pense qu'il est allé dans cette maison, a dû avoir une crise émotionnelle foudroyante, et s'est donc donné la mort. Le chef direct de Donnelly à la cellule du FBI de Trenton nous a confié qu'il regrettait que l'agent Donnelly n'ait pu parler de cette détresse émotionnelle qui l'envahissait. Donc, comme vous pouvez le deviner, le fait que cette affaire ait été rapidement classée, ça arrange tout le monde. Le FBI, il préfère sans doute qu'on oublie que l'un de ses agents s'est suicidé. Ils n'ont pas trop envie qu'on commence à faire des articles dans les journaux pour dire que le métier d'agent du FBI est un métier émotionnellement fatigant. La police locale, visiblement le conseil municipal, n'a pas trop envie que toutes ces histoires de suicides à répétition soient trop connues. Ça fait pas une bonne pub pour le tourisme. Quant à nous, vous vous doutez qu'on est aussi content que cette affaire ait été bouclée rapidement. En tout cas, de manière officielle. Maintenant, il y a la manière officieuse et c'est pour ça qu'on va vous envoyer là-bas. Il était déjà propriétaire de la maison ? Non. Ouais, il voulait l'acheter. Il voulait l'acheter. Alors, on va pas vous envoyer là-bas sans aide. On va quand même vous donner le contact de deux honorables correspondants. Vous savez ce que c'est, des honorables correspondants ? C'est des gens qui nous filent des petits coups de main de temps en temps, mais qui travaillent pas directement pour Delta Green. D'ailleurs, je vous rappelle que ce mot ne doit jamais être prononcé. Vous pouvez dire l'agence, mais vous ne dites pas Delta Green. Ces gens-là connaissent pas le nom de l'agence. Nos honorables correspondants, ils travaillent pour l'agence. Point final. C'est bien clair ? Parfaitement. La première règle de Delta Green, c'est tu ne parles pas de Delta Green. La deuxième règle de Delta Green, c'est tu ne parles pas de Delta Green. Le premier de ces honorables correspondants, c'est Emiliaro. Emiliaro, c'est un parapsychologue. Il est assez doué. Il est professeur agrégé de psychologie à la prestigieuse université Princeton, qui est l'une des... Je vous signale que Princeton, c'est à 35 minutes à peine de Meadowbrook, et je vous signale qu'elle fait partie des 8 universités de l'Ivy League. Hein. C'est le haut du panier. C'est l'une des plus anciennes universités du pays même. Elle date de 1746, pour la petite histoire. Il est spécialisé dans les troubles liés au surnaturel. C'est une mine d'informations sur tous les sujets un peu étranges, comme ceux que vous risquez d'avoir à affronter dans cette sombre histoire de suicide. Ensuite, il y a une deuxième personne, c'est Mademoiselle Elizabeth Tucker. C'est l'antiquaire à Meadowbrook. C'est elle tient un petit magasin d'antiquités. C'est une de nos honorables correspondantes parce qu'elle connaît très très bien l'histoire en général et l'histoire de la ville et du comté en particulier. Donc c'est quelqu'un que vous pouvez contacter éventuellement. Ensuite, il y a une green box à Meadowbrook. Vous savez ce que c'est que les green box ? Ah, peut-être que certains n'en ont jamais utilisé. Les green box, c'est des espaces de stockage qui sont loués par notre agence pour conserver des éléments lors des opérations. On en a à peu près dans toutes les villes. Il y en a une à Meadowbrook. Elle a été utilisée dans le passé par Delta Green. Je ne sais pas trop si elle a été utilisée récemment. Je ne sais pas si Donnelly s'en est servi. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on en a une là-bas. Ça peut valoir le coup d'aller jeter un coup d'œil. Et puis vous pouvez aussi vous en servir pour aller planquer des trucs. Elle a été louée chez Storit, qui est le nom de l'entrepôt. C'est au 273 Palma Drive, au nord-est de la ville.
Et la Green Box occupe l'unité 2230. Ah oui, ça a l'air bien gardé. Oui, c'est bien gardé, je crois. Vous irez voir. Vous jugerez par vous-même. Et enfin, je vais vous donner ceci. Ça, comme vous pouvez le voir, c'est le top du top de la technologie. Un bon Nokia. Un bon téléphone Nokia 6086. Pourquoi un vieux téléphone? Parce qu'ils sont plus faciles à sécuriser. Celui-là, il est sécurisé à mort. Enfin, à mort. Disons, aussi bien qu'on peut le faire. Avec tous les bugs qui nous collent, là, ça va être nécessaire, je pense. Ils permettent d'envoyer des SMS, mais ils n'envoient aucune métadonnée de l'appelant. Il n'y a pas de traceur sur ces téléphones-là. C'est pas comme toutes ces merdes qu'on voit maintenant sur les téléphones portables d'aujourd'hui et qui nous pistent le cul jusqu'au bout du monde. À peine vous allez pisser, on sait déjà que vous êtes aux chiottes. Dessus, il y a les numéros de téléphone d'Emile Yarrow, le parapsychologue, d'Elizabeth Tucker, l'antiquaire, de Storit, la boutique, l'entrepôt où se trouve la Green Box, et puis il y a mon numéro à moi aussi. Mais je vous préviens tout de suite, le mien, faut vraiment s'en servir qu'en dernier recours. Quand vraiment, 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 vous êtes dans la merde. Et il se peut que je vous réponde de manière très évasive, parce que bon, même si ce téléphone est sécurisé, on a toujours raison de se méfier. Est-ce que vous avez la moindre question? Moi, j'en ai plusieurs. Oui. La première, j'imagine qu'ils ont interrogé les témoins, savoir si quelqu'un était rentré sur les lieux. Alors, écoutez, mon petit Marshall, moi, je est-ce qu'on peut avoir le rapport de police? Probablement. D'accord. Auprès de la police, pas auprès de moi. J'ai une deuxième question. J'ai pas enquêté, moi. J'ai une deuxième question. Pourquoi s'appelle l'opération Iago? Parce que si on l'avait appelé opération tonnerre du désert, c'était déjà pris. Ok. Ma troisième question, c'est qu'est-ce qu'elle fait à cette table, Riptide? Eh bien... Moi, je serais pas à cette table... Elle est votre place, c'est dans votre cabinet, c'est là-bas, allez vous asseoir. On va s'en occuper. Rentrez chez vous. Si vous avez des comptes à régler, vous allez faire ça dehors, c'est pas mon problème. Moi, je suis payé à la minute. Est-ce que vous avez des questions qui sont pertinentes? Il y a des gens qui sont faits sur le terrain, et pour le terrain, il y a des gens qui sont faits pour les bureaux. Ça, vous en parlerez dehors, c'est pas mon problème. Si vous n'avez pas la capacité de manger votre orgueil pour bosser dans un détachement opérationnel. C'est pas de l'orgueil. Vous allez travailler ailleurs. J'espère qu'il y aura des body bags à fournir à la fin. Si vous mettez des fonctionnaires. Des quoi? Des fonctionnaires à paperasse. Des fonctionnaires habituels à paperasse, là, dans les pattes. Évidemment, vous en ramasserez quelques-uns à la fin. Moi, je peux pas protéger tout le monde. Certainement pas. Vous vous débrouillerez entre vous, c'est pas le sujet de la réunion. Delta Green a un objectif bien plus élevé que ces petits problèmes humains dont vous me parlez. N'oubliez jamais votre mission. Vous savez ce que vous faites pour l'agence. Vous faites en sorte de sauver l'humanité tout entière. Et vous faites en sorte que la folie ne s'empare pas des populations si elles découvraient les choses que vous connaissez et que moi je connais. C'est des choses un petit peu plus importantes que les petites batailles qu'il peut y avoir entre deux personnalités. Si vous êtes réunis tous les quatre, c'est que l'agence est persuadée que vous êtes capable d'être suffisamment intelligent pour travailler ensemble. Si c'est pas le cas, vous n'avez rien à foutre à Delta Green. Est-ce que vous avez des questions pertinentes dans le cadre de la mission avant que je puisse aller me chier un bon coup parce que j'ai bouffé des putains de croissants aux amandes, ça me gargouille dans le bide? Moi, j'ai juste peut-être une petite question concernant l'agent décédé. Est-ce qu'on pourrait avoir accès à ses recherches Internet, qui, a priori, étaient quand même assez portées sur tout le sujet, l'historique de cette maison? Peut-être que votre équipe a déjà fait un peu le tri, une sélection? Notre équipe, elle n'a rien fait du tout. C'est vous qui allez faire quelque chose. Nous, on n'a rien fait. Je vous dis juste ce que le FBI a fait. Si vous voulez demander au FBI, vous demandez au FBI. D'accord. Moi, j'ai une question. Visiblement, il y a eu... je vous écoute ça. Enfin, on sait qu'il y a eu une douzaine de morts violentes et au moins 6 suicides. Et vous dites que l'agent Delaunay n'a pas été dépêché par Delta Green. Donnelly, absolument. Donnelly.
Et donc, c'est quoi la question ? Pourquoi, malgré 12 morts violentes dans une maison qui paraît avoir une histoire extrêmement bizarre, c'est seulement maintenant que nous sommes dépêchés là-bas ? Parce que cette fois-ci, notre attention a été attirée par la mort de l'un des nôtres. Mais vous savez, des douzaines de suicides, il y en a partout dans les États-Unis, on ne peut pas tout couvrir. On prend les missions les plus grosses. Quand il y a 12 suicides, c'est pas normalement une mission à laquelle Delta Green s'intéresse. Quand il se trouve que le 12e suicidé, c'est quelqu'un qu'on connaît, on a quand même envie d'aller voir d'un peu plus près. D'accord. Bon, puisque nous avons fait le tour des questions, je peux simplement vous dire qu'on vous a réservé des chambres au motel local. Vous aurez aussi l'adresse qui vous sera donnée. On va vous donner un plan sur lequel il y a les trois adresses principales, le 1206 Spooner Avenue, le motel et le Storyt là. Si vous avez la moindre question, vous la gardez pour vous. Et on vous fournit deux SUV qui sont garés devant là. Là, première paire de clés, qui sait conduire hein? C'est une blague, vous savez tous conduire. Bon. Bah, c'est pas dit. Hein. Tenez, Clarisse. Mais moi j'en prends une. Une clé pour Clarisse. Moi je prends une clé. Et une clé pour le Marshall. Vous avez deux SUV. Dans le coffre de ces SUV, il y a tout le matos dont des gens comme vous pourraient avoir besoin. Vous savez, quand vous partez en mission, le matériel c'est pas un souci. Il y a des armes, des gilets pare-balles, des munitions, des grenades, des lunettes. Bon, bref, il y a tout le tout-team quoi. Et si on a besoin de quelque chose de supplémentaire, on s'adresse à qui ? Vous vous démerdez. S'il y a quelque chose qui manque dans le coffre, eh ben vous vous démerdez, comme d'hab. Sur ce, je peux vous rassurer, c'est pas pressé, il faut seulement que vous partiez dans une minute. Bien. Très bien, merci Samuel. On se lève et on quitte les lieux. Vous pouvez récupérer votre portable en sortant. Et vous direz à Tiki que c'est un bon gars. Tiki, c'est le mec qui est dehors. Bon, je sors. Je vais voir Tiki, je récupère mon téléphone. Ouais. Et je lui dis que c'est un bon gars, parce que visiblement, le chef tient à le lui signaler. Tiki te regarde et esquisse un sourire froid. Et j'imagine que vous récupérez tous vos téléphones portables. Oui, tout à fait. Oui. Les SUV sont garés comme prévu là où il l'a indiqué, c'est-à-dire en face de cet immeuble. Ils n'y étaient pas quand vous êtes rentrés, mais maintenant ils y sont. Vous avez accès à certains documents, comme par exemple cette carte qui vous indique à la fois où vous vous trouvez actuellement, à la fois où se trouve la ville de Trenton et à la fois où se trouve la petite et paisible ville de Meadowbrook dont on vient de vous parler. Et à en juger par votre connaissance du terrain, pour ceux qui sont new-yorkais et la vision de cette carte, vous vous dites que vous en avez pour 1h30 de voiture à aller à Meadowbrook. Bon. Et le... Comment ça s'appelle ? La Green Box, elle est... À Meadowbrook. Et on vous fournit également une seconde carte, qui est une carte de Meadowbrook. Sur cette carte, vous avez trois emplacements. Le Serum Motel, qui se situe ici. Le Storyt, qui se situe ici. Et la fameuse maison du 1206 Spooner Avenue, où l'agent s'est donné la mort. Ainsi que d'autres informations qui pourront vous être utiles. Bon, on se sépare dans deux véhicules et puis je vous propose de commencer par l'hôtel pour poser nos affaires et puis établir un plan d'action. Absolument. Qui est-ce qui monte avec moi ? Moi, je vais monter avec vous, Clarisse. Ramon. Ok. Sarah. Tu montes avec moi. Ramon, on va se tutoyer, Francky. Non ? On se tutoie, bien sûr. Francky, tout Francky, à fait. Francky, Ramon et Clarisse, hein. Enchanté. Oui. Donc on va d'abord faire le trajet de Francky et Sarah. Vous avez 1h30 de route, de quoi vous parlez pendant 1h30, tous les deux ? Bah, on se présente un petit peu, visiblement, j'ai cru comprendre que c'était qu'elle allait travailler avec le FBI, je me trompe ? Oui, je travaille au FBI. D'accord, en tant qu'agent ? Oui. Agent de terrain ?
Oui. Vous avez fait du terrain ? Oui. Tu as fait du terrain ? Je ne sais pas, on se tutoie, Sarah ? Oui, oui, on se tutoie. J'ai fait du terrain, surtout, je suis une ancienne militaire. Donc, ah. J'ai fait du terrain assez loin. Irak ? Irak ? Afghanistan ? Ah ah ! Très bien. Mais dis-moi, Francky, j'ai senti une animosité avec Clarisse. En fait, vous vous connaissez, c'est ça ? On peut dire ça, oui. Je pense qu'elle me connaît mieux que je la connais. Mais bon, ça ne m'empêche pas de ne pas l'aimer. C'est... Mais vous travaillez ensemble ? Disons que j'ai eu affaire à... J'ai fait d'autres... comment dire ? J'ai travaillé pour le Delta Green avant. J'ai déjà fait d'autres missions. Certaines qui ont été un petit peu plus tragiques que d'autres. Voilà. Et on a estimé que je devais donc débriefer auprès de la psy locale. Et c'est auprès d'elle qu'on m'a envoyé. Et je ne sais pas ce qu'est son diagnostic à mon égard, mais le mien à son égard, c'est que c'est une sacrée connasse. Voilà, je crois que je t'ai tout dit. Alors maintenant qu'on l'envoie sur le terrain, je trouve ça juste aberrant. En tout cas, je peux pas tenir la main de tout le monde et je sais pas si je tiendrai la sienne. D'accord. Et voilà. Alors c'est sûr que ça va mettre un petit peu de piment dans notre relation. Oui, après, je sais pas ce qu'on va trouver là-bas, mais il va falloir faire équipe. Je pense que vu qu'il y a eu du sang avant, je pense qu'on va encore trouver du sang et qu'on en trouvera après. C'est souvent comme ça que ça se passe. J'espère juste que ce ne sera pas le nôtre. Bien sûr. Mais si on part à 4, on est à 4. Ouais, sauf que s'ils envoient une équipe de psychologues, excuse-moi, hein, à un moment, j'aurais préféré avoir un de tes collègues de Navy Seal ou tu vois, plutôt que de nous envoyer une psy sur le terrain. Mais même avec les Rangers, on part à 4, on rentre à 4. Mais complètement, tu as raison. De toute manière, moi je suis US Marshal maintenant, hein, donc bien évidemment, j'ai choisi aussi mon côté de la loi et bien évidemment, l'idée. To serve and protect, bien évidemment, nous sommes là pour ça. On cut dans la voiture de conduite par Clarisse. Qu'est-ce qui se passe dans la voiture, Clarisse et Ramon ? On se présente, non ? On se parle. Oui, bien sûr, bien sûr. Je t'écoute, Clarisse. Ouais, bah attends, ce que je conduis, il faut que je regarde la route quand même. Bah, moi, je suis psy, hein, à la CIA, mm-hmm. hein, comme tu le sais déjà. Je suis jamais allé sur le terrain, donc je suis, on va dire inquiète, mais je suis excité, on va dire. Très bien. Excite pas mal. Et toi ? Moi je suis médecin, je bosse pour le CDC, donc tu sais la cellule en charge des épidémies et des risques bactériologiques depuis une quinzaine d'années maintenant. Depuis 2019, j'ai beaucoup travaillé sur le Covid. Et moi non plus, hein, j'ai pas beaucoup frayé avec Delta Green, enfin avec le programme. Il m'est arrivé de découvrir des choses autour de souches bactériologiques qui, a priori, n'étaient pas naturelles et provenaient de choses bizarres, on va dire. Et ça m'a ouvert une porte et j'ai été contacté par les équipes de Delta Green. Et maintenant, ça fait quelques mois que je travaille un peu à distance sur des événements étranges autour de bactéries. C'est pour ça que ça m'intrigue beaucoup ce qu'on a entendu tout à l'heure avec tous ces morts dans cette maison. Et il faudra qu'on en discute tout à l'heure, mais je pense qu'il faudrait que moi je fasse des petits relevés avant qu'on s'aventure dans cette maison. C'est peut-être une maladie, c'est peut-être un virus qui rendrait les gens fous. J'ai vu des choses terribles ces derniers temps avec Delta Green, mais en fait, comme toi, j'ai jamais été sur le terrain. Donc, j'ai eu pas mal de témoignages de personnes qui m'ont raconté des choses un peu farfelues. Mmh. J'ai senti une animosité avec Francky. C'est quoi cette histoire entre vous là ? Oh bah ça faudrait que tu en parles à lui. Moi je n'ai pas d'animosité contre lui, donc il faut plutôt que tu t'adresses directement à lui. S'il veut en parler, il t'en parle. Très bien, bah j'espère qu'il mettra un peu d'eau dans son vin. C'est quelque chose qui apparemment le blesse personnellement, quoi. C'est perso, donc s'il veut t'en parler, il t'en parle.
Très bien. Parce que j'ai pas l'habitude de travailler dans des conditions comme ça, d'animosité. Hein. Je pense qu'on a besoin de. Ça va être très compliqué pour moi de gérer ça. Je suis très mal à l'aise avec tout ça. Ça. Ouais, je trouve ça dommage, mais bon, après tout, c'est l'être humain qui est ainsi. Et si tu le permets, Clary, je vais peut-être profiter moi du trajet pour commencer à faire des recherches. Je pense que chaque seconde compte. Donc moi, je sors un laptop et je commence à aller sur Internet et faire des recherches autour de tout ce qu'on a entendu tout à l'heure. C'est-à-dire Ça te dérange pas que je conduise pendant que tu vas sur Internet? Bah non. Alors vous savez qu'il y a c'est super. Vous savez que vous avez un protocole bien établi, c'est-à-dire que vous avez tous reçu des formations de sécurité informatique qui fait que quand vous allez sur Internet, vous passez par Tor, vous avez un VPN, vous avez tout ce qu'il faut pour empêcher qu'on vous traque, etc. Et effectivement, vous pouvez faire des recherches sur Internet, mais vous êtes toujours très prudent. Hein. Vous le savez, dans le cadre des missions, de ces missions-là, par exemple, vous irez jamais dans un cybercafé faire des recherches sur Internet dans le cadre d'une mission, quoi. Non. Donc, vous savez que vous avez vos portables à vous qui sont sécurisés, mais vous faites toujours très gaffe. Mm-hmm. Et tu trouves pas grand-chose de plus que ce qu'on t'a dit pendant la mission. Très clairement, comme vous l'a dit Samuel, l'affaire a dû être étouffée parce que la seule chose que tu trouves, c'est l'article. Qui vous a montré dans le Meadowbrook Sparrow. Ok. Mais même sur. Moi, je fais vraiment des recherches larges hein, sur Yamila Isari, sur la maison, sur l'histoire de la ville, les fondations de la ville, voilà, ce genre de choses. Tu vois, vraiment très ouvert, quoi. Alors, sur la ville, bah, tu trouves des informations sur la taille de la ville, petite ville suburban typique du New Jersey. Sur Yasmila, tu trouves rien. À part aussi un article qui mentionnait son suicide dans le Meadowbrook Sparrow. Voilà, il n'y a rien qui... Tu trouves la mention qu'elle a fait des études à l'université de Princeton. De Princeton ? Ouais. Ah, ça m'intéresse. Et en fait, je regarde aussi tout ça sous un œil un petit peu en effet d'épidémiologiste. En pensant à la menace de quarantaine, tu vois combien il y a d'habitants dans le périmètre, est-ce que c'est un quartier qui est très habité, est-ce que c'est très pavillonnaire, tu vois si on a besoin de mettre une zone de sécurité, tu vois c'est le genre de réflexe que j'ai moi quand je pars quelque part. Tu vois que Meadowbrook c'est donc une petite ville du New Jersey dans le comté de Burlington. Petite ville américaine, il ne doit pas y avoir plus de 10 000 habitants. Je te montre une image qui apparaît sur le site. Voilà, c'est dans ce style-là. Dans ce style-là. Ouais, petite bourgade. Traditionnelle américaine. La carte qui t'a été fournie par Delta Green te montre qu'elle n'est pas immense. Même s'il n'y a pas tous les faubourgs dans la carte, c'est plutôt le centre-ville que vous avez. Mais en tout cas, et d'ailleurs, le chemin se passe assez rapidement. Hein. Vous avez à peine une heure et demie de route pour y arriver. Mais ce qui me rassure, c'est que si on doit la contingenter, en effet, il y a peu d'issues, il y a peu d'accès, on peut rapidement. Par rapport à cette problématique-là, c'est quand même très proche de New York. Ouais, je sais pas. C'est ce que je. Oui. Et puis moi, c'est oui, bien sûr. Est-ce que les véhicules sont équipés de gyro ? Non. D'accord, faudra en acheter. Non, alors il se trouve que en fait tu as l'habitude et tu sais très bien que non, c'est pas équipé de gyro et pour bonne raison. En général, vous essayez plutôt d'être discret, donc vous n'êtes pas du genre à mettre des gyrophares, quoi. Vous avez deux manières d'approcher une mission qui vous est remise par Delta Green. Soit vous la jouez totalement clandestine et vous faites en sorte que personne ne sache qui vous êtes et que vous êtes là. Ça c'est la solution idéale, mais parfois c'est pas possible. Donc dans ces cas-là, si par exemple vous devez avoir affaire à la police ou que vous devez avoir affaire à des institutions et que vous êtes obligé de vous représenter, en général la solution la plus souvent utilisée dans ce cadre-là, c'est que l'un d'entre vous utilise son credential, son accréditation officielle, et disent voilà, je suis dans un détachement, je travaille pour la CIA, le FBI, etc. Vous ne prononcez évidemment jamais le nom de l'autre organisation, et vous essayez de rester quand même très discret parce que vous savez que
c'est pas parce qu'on montre une carte du FBI que ça va passer devant tout le monde. Il y a des gens qui pourraient très bien dire, ah bon, ok, et puis qui 10 minutes après téléphonent au FBI et disent, mais est-ce que c'est vrai, il y a vraiment une enquête en cours de l'agent machin, etc. Donc en général, vous essayez de rester toujours un peu undercover. Si, dans les cas extrêmes, ça peut vous arriver de sortir vos papiers et dire FBI, US Marshal, etc. Mais vous essayez d'éviter quand même. Ok ? Ok. Donc la voiture, vos voitures arrivent sur la route 38 qui est l'artère principale en fait de Meadowbrook. Et vos GPS sont réglés sur la position du Serum Motel qui est en bordure de route. Hop, bon, et ben on descend. Est-ce qu'on a, on a pas de chambre encore, hein? Non. Il vous a réservé 4 chambres. Ben il vous a dit, donc, il vous a dit qu'il vous avait réservé 4 chambres. Bon, on va à l'accueil. Là, pour le coup, je vais vous laisser faire puisque vous êtes normalement au Serum Hotel et vous êtes à côté de vos véhicules qui sont garés. C'est donc un motel assez classique. Une chaîne de motels, a priori. Où est le lobby? C'est devant, là? Ok, d'accord. Ouais, généralement, en fait, c'est plutôt... À la droite ou sur la... Voilà, soit d'un côté, soit de l'autre. Ah. Mais visiblement, c'est plutôt sur votre droite. Notre droite. C'est-à-dire par là. Ah, notre droite, oui, face à nos personnages. Ouais. Ok, très bien. Donc... ok. Vous pénétrez dans ce lobby où un jeune homme est les pieds sur le bureau en train de regarder un clip sur YouTube. Et il lève absolument pas la tête vers vous. Jeune homme. Hey oh. Jeune homme. Ouais, je vous entends pas parler plus fort là. Bah éteignez votre musique, vous nous entendrez mieux, non? Alors il passe la souris sur son clavier avec beaucoup de mal. Il finit par éteindre la musique et il vous regarde. Ouais, c'est pourquoi? C'est pour prendre des chambres, c'est ça? Ouais, il est complet l'hôtel. C'est réservé. 4 chambres. Il cherche. Ah ouais. Vous allez rester là combien de temps? Semaine. Non, parce que là, ils ont payé 3 jours, là. Bah, on va rester 3 jours, alors. Vous êtes sûr, là? Qu'elle a dit une semaine, alors... moi, c'est payé, c'est, on m'a toujours dit, c'est tu payes d'avance. Alors, restons 3 jours et on verra au bout de 3 jours si on reste... Ok, mais je vous les réserve pour la semaine. Si vous voulez. Bah, faut les payer d'avance, alors. Alors, on les verra plus tard. Vous les réserverez quand on vous le dira. Ok, alors si je les vends après 3 jours, elles sont plus à vous, les chambres, on est d'accord? Peut-être qu'il est temps que je m'occupe des réservations. Si vous voulez bien sortir, je vais négocier avec le jeune homme. Écoutez, jeune homme, donnez-nous nos clés pour nos 3 jours. On a eu un long trajet. On aimerait aller au plus vite, s'il vous plaît. Et on verra pour les réservations avec vos parents. Il a remis un peu la musique là. Vous nous a donné les clés, hein? Non. Vous nous donnez les clés? Vous restez 3 jours ou vous restez une semaine? Parce que moi, j'ai un patron, là. D'accord? Ouais, bah, on va vous n'avez peut-être pas de travail, mais moi, j'ai un boulot, donc il y a écrit 3 jours. Mais si vous me dites une semaine, c'est pas bon. Non, si jamais c'est une semaine, ouais, c'est enfin, 20$ la chambre. Vous êtes combien? Il y a 4 chambres, ça fait 80$. Alors, si vous avez 80$, vous me les donnez. Ou alors, si vous restez 3 jours, je marque 3 jours. Mais, si ouais, vous... mais marquez 3 jours. Voilà. 3 jours. Vous marquez 3 jours et vous donnez les clés. Ok, 3 jours. Il sort les clés de 4 chambres. Il vous tend. Merci. Et il dit, c'est tout au rez-de-chaussée là, parce que l'étage s'est pris, parce qu'ici il y a beaucoup de passages. Alors les petits déj, c'est pas compris. Par contre, il y a des distributeurs. Moi j'attrape les clés, je sors. J'attrape ma paire de clés, je m'en vais.
Je laisse pas finir sa phrase, il me fatigue. Oui, on prend les clés. Chose à faire, tu vois. Enfin, vraiment, moi, je suis dans la logique. Bon, c'est quoi les numéros des chambres? 1, 2, 3, 4. Je vous propose d'aller dans la chambre 1 pour commencer. Posez vos affaires et puis on se réunit dans la chambre 1. Je la prends si vous voulez. Ok. Ok, je vous laisse aller dans vos chambres. Il y a 4 chambres qui sont ouvertes et qui correspondent aux 4 clés. C'est les 4 premières. Ok, je vais me mettre là. Moi, je vais tout au fond, le plus loin du lobby. Là, j'ai pas envie d'avoir le gamin qui écoute la musique quand à fond. Quand tu sors, Francky, là, en dernier, ouais. Est-ce que tu peux me faire un petit jet de vigilance? Et hop, et c'est réussi. Okay. T'entends juste qu'il a dit, mais un peu dans la musique, « Allez, salut, tocard !» J'ai vidé combien de chargeurs hier? Je vais dans ma chambre. Donc, comme vous le découvrez, le motel est bien équipé, propre. Suffisamment confortable, en tout cas le confort standard américain. Comme il se doit. La télé devant la fenêtre, c'est assez surprenant, mais. En même temps, la vue est pas dingue. En même temps, tu peux aller te plaindre à la réception. Très bien. Ouais, je pense que ça va bien se passer. Il est entre le voyage qui a duré 1h30, le brief qui a dû durer moins d'une demi-heure, il est pas loin de midi, on va dire. Très bien. Ben, moi, je suis donc dans la chambre numéro 1 et comme indiqué précédemment, j'attends. Qu'ils aient déposé leurs affaires et qu'ils reviennent dans ma chambre. Ah, donc c'est celle le plus à gauche, hein. En effet, moi je partais à droite, d'accord. Tchouk tchouk, ok. Chacun choisit votre chambre. Hein. Bah, c'est fait. C'est hyper drôle. Visuellement, je viens de voir Clarisse qui est passée devant la porte à toute vitesse. Normal. Hop, bien, tout le monde est là. À la bonne heure. Bon, bah, je vais ouvrir la porte de ma chambre. Il y a Toby qui vous regarde et qui fait. Vous avez pas signé le registre? J'arrive, j'arrive dans un instant. Non, il faut signer le registre avant de rentrer dans les chambres. D'accord. Là, comme vous êtes déjà rentré dans les chambres, ça veut dire qu'il fait. Vous auriez dû signer le registre avant. Ok, j'arrive tout de suite. Mais il est où le registre? Vous l'avez amené? Non, il est sur mon bureau, c'est juste que vous êtes parti trop vite. Eh ben, j'arrive tout de suite, je ferme la porte. Je vous propose, histoire de se débarrasser rapidement de Toby, déjà, d'agir moi-même, parce que je vais devoir interroger les flics locales, d'agir en tant que US Marshal, si ça vous convient, c'est-à-dire d'exposer mon... Aucun problème. Mon accréditation. Je ne sais pas si ce sera nécessaire peut-être de révéler les fonctions officielles d'investigation de Sarah, peut-être le garder en réserve s'il y a un coup dur. Oui, mais ça risque d'interpeller trop et de faire poser des questions. Voilà, peut-être que l'FBI... Bon, US Marshall, hein, je vous rappelle que nous avons une mission fédérale, c'est-à-dire que nous ne dépendons pas de l'État où nous sommes, mais bien de nous agissons sur l'ensemble du territoire. Ça peut aussi faire poser des questions. Pour peu, j'entendais récemment un collègue me dire récemment, on pouvait le faire pour peu qu'on ait une bonne histoire. Charge à moi donc de leur servir une bonne histoire. Juste pour terminer, je voulais savoir si tu as une arme, Ramon. Oui, on m'a confié une arme de poing. Je t'avouerai que je suis pas le meilleur tireur, c'est pas ma spécialité, tu le comprendras, hein. Moi c'est la médecine, donc je serai là pour vous soutenir, vous aider, je serai là pour procéder au maximum d'analyses sur place et faire tout pour anticiper, voilà, le moindre danger, le moindre risque, c'est ma mission. D'accord, donc tu sais pas te servir de ton arme? Si, enfin je... Arme à feu, ouais, j'ai 25, c'est pas terrible. Ouais, je suis pas bon avec une arme. Tu débutes quoi? Tu sais t'en servir quand même. Je sais m'en servir à porter, oui, bien sûr. Sarah, autre chose à nous dire peut-être? Non, voilà, Clarisse, pardon. Pardon. Oui, Sarah. Je suis déstabilisée. Mais non, je voulais juste savoir comment tu te sens avec les armes à feu. Enfin, autant le savoir, parce que c'est-à-dire que je sais pas ce qu'on va voir là-bas, mais si.
si on doit... Non, mais t'inquiète pas, je suis... Tu veux dire, est-ce que je suis contre les armes à feu ? Est-ce que tu sais te servir d'une arme à feu ? Ah, est-ce que je sais m'en servir ? Oui, oui, je sais m'en servir. Ah, voilà, c'est pas mon métier, quoi, mais je sais m'en servir, oui. Je peux m'en servir. D'accord. À la fête foraine, quoi. Non, parce que je vais rarement à la fête foraine. Enfin, si tu m'y invites, hein, évidemment, Francky. Avec plaisir. Le téléphone sonne. Ça a l'air. Ah. Lequel, celui du standard ? Ouais, je pense que c'est la chambre où vous êtes. C'est je pense que c'est Toby. C'est Toby. Je décroche. J'entends de la musique. Allô ? Allô ? Allô ? Allô, allô ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je raccroche. Je raccroche et je pose le télécombiné à côté. Excusez-moi, c'était personnel. Et Toby le robot ? Voilà. Et je pense qu'il faut qu'on y aille tous le signer, parce que si t'y vas que toi, il va demander les autres après. Non, je pense que... On ira après, là. Ouais, on ira après. Bon, il faudra qu'on passe à la maison. Moi, je vous propose de passer au commissariat local. Ça, je vais peut-être m'en charger pour récupérer déjà le dossier de l'affaire et peut-être quelques témoignages de collègues. Après tout, entre et, flics, ouais. on se doit bien ça. En effet. Et Francky, si tu peux insister pour avoir aussi le dossier légiste et en détail, parce qu'il y a la scène de crime est assez surprenante de ce que j'en ai vu. Oui, complètement. Il a l'air un petit peu bizarre, le légiste. Ouais. Je ne sais pas comment il travaille, mais... C'est ça. Si on peut lui parler, ça serait peut-être pas mal. La question est de savoir si on reste ensemble ou si on fait des équipes avant de se rendre à la maison pour y aller ensemble. Est-ce qu'on commence par la maison ? Donc on peut faire peut-être deux équipes, une équipe qui irait au store hit et une équipe qui va avec toi chez la police locale. Je pense que je vais aller avec Francky, moi. Ouais, avec grand plaisir. On va venir signer le registre aussi. On va signer le registre d'abord, parce qu'il va nous pourrir l'autre. Très bien. Donc on va à l'accueil. Ok, vous allez à l'accueil. Et ben, à l'accueil, il est là et il a augmenté un peu le volume de la musique. Oh. Bon, je prends le registre et je prends un stylo. Il fait. Il est en face de son nom. C'est le principe. On signe. Est-ce qu'il y a déjà des noms décrits ? Il y a des noms décrits de réservation qui sont visiblement des noms qui ne sont pas les vôtres. C'est-à-dire qu'il y a un prénom qui correspond et un nom de famille qui ne correspond pas. Très bien. D'accord. C'est quoi mon nom de famille ? Les Buffer. J'adore. J'aimerais que ce soit mon vrai nom pour la vie. Toi, tu t'appelles Green. Moi, je m'appelle comment ? Qui est vraiment une bonne Delta. Blague. Une bonne blague de Delta Green. Je m'appelle Delta, ouais. Toi, tu t'appelles Spice. Ramon Spice. Ah ouais, elle est bonne. Merci les gars. Ok. Et toi, tu t'appelles Cold, Clarisse. Clarisse Cold. On va voir ce qu'il y a dans les coffres des SUV. Et bah, comme précédemment cité, il y a à peu près tout le matériel d'intervention classique, c'est-à-dire des armes de poing, vous les avez, mais ça, il peut y avoir un fusil, il peut y avoir des gilets pare-balles. On a ce qu'il faut. Il y a un bélier. D'accord. Est-ce qu'il y a des combinaisons comme celles qu'il utilise Non. Hazmat, mais j'en ai quatre, moi. Ça, c'est vraiment spécifique. Il n'y a pas de bazooka, il n'y a pas de... Ben, ça manque. De TNT, il n'y a pas de C4, il n'y a pas de gros engins de démolition. Il y a tout ce qu'il faut pour des interventions lourdes. Local. Et semi-lourdes. Grenade ? Oui. D'accord. Très bien. Je prends une grenade, je la mets dans ma poche. T'es content de me voir ou t'as une grenade dans la poche ? c'est pas discret une grenade, hein. Tu sais, une grenade dans la poche, qu'est-ce que tu veux dire par dans la poche ? Dans ma poche, j'ai un cuir. D'accord. Ah, dans la poche de mon cuir, pardon, pas de mon jean. Ok. Je viens d'avoir l'image, effectivement. Tu la mets à ta ceinture. Dans ce cas-là, faut mieux que t'en prennes deux. Madame va être contente. Et tu mets un flashbang au milieu et c'est bon. C'est très bien. Ok, alors vous pouvez retourner vous-même puisque vous avez les accès sur la carte de Meadowbrook, mais je vais quand même vous y mettre parce que je suis sympa.
Et en fait, donc sur la route 38, vous voyez que tout au bout de la route 38, à l'entrée de la ville, en tournant à droite, vous avez le Storit qui se trouve ici. Alors, qui va au Storit ? Moi, j'y vais avec Sarah. Là, j'ai mis un petit clignotement sur l'endroit où est le poste de police. Ouais, tout à fait. Vous puissiez vous séparer. Donc, qui va au poste de police ? Qui va au Storit ? Avec Clarisse, on va au commissariat. Avec Clarisse. Et avec Sarah, on va au Storit. Ouais, ça y est. Pour réconcilier. Voilà. Oui, bah, je veux voir surtout si elle peut servir à quelque chose. Le commissariat de Meadowbrook est un petit commissariat. Vous êtes garés devant. Vous rentrez tous les deux ou... Tout à fait. D'abord, je m'entretiens avec Francky 2 secondes. Je lui demande, je lui dis, voilà, moi, je ne suis pas une habituée du terrain, donc si tu as des conseils à me donner sur l'approche... Bien, écoute, le mieux, c'est faire preuve de tes nombreuses compétences. Comme ça, je pourrais les voir et les découvrir. Sinon, rien d'autre. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Une fois que vous êtes rentré dans ce bâtiment, il y a un desk... avec un flic qui vous regarde. Bonjour collègue, j'ouvre ma carte. Monsieur Marshall Descoteau. Ah, Marshall, ravi de vous rencontrer. Il a l'air un peu impressionné. Bonjour. Ouais, est-ce que je peux voir votre capitaine ? Vous voulez dire le chef Buffington ? Bah, le chef qui est là, hein, on sait ce que c'est, à partir d'un certain grade, on sait qu'ils sont plutôt à la sieste qu'au bureau, mais donc celui qui est au bureau. Non, pas Buffington, lui, il n'est pas à la sieste. C'est... Il te montre un couloir, et tu vois que tu es en fait dans une espèce de petit hall qui est à l'avant du commissariat. Visiblement, il y a une porte qui a l'air de mener dans les locaux où sont les bureaux vraiment des inspecteurs et des... Et sans doute du chef Buffington. Ouais. Et il te laisse passer et il te demande vous pouvez me signer le registre, Marshall ? Avec grand plaisir. T'as un registre de visite, c'est ça ? Bah ouais, il y a un registre qui enregistre les heures, les jours et le passage des gens au commissariat. Très bien, je remplis avec les indications sur ma carte. D'accord. Donc, tu mets ton vrai nom ? US Marshall Descoteau. US Marshall Descoteau. Prêt pour le service. Et madame ou mademoiselle ? Oui, mademoiselle. Je note. Donc, je note le nom là, qu'il y avait à l'hôtel, là, Clarisse Cold. Clarisse Cold. Bien. Merci, Marshall. Et tu es libre de passer jusqu'à cette porte qui t'a indiqué. Et tu arrives dans un bureau. C'est beau. Oh. Et dis donc, il y a des moyens à Meadowbrook. Ouais, c'est petit, mais c'est bien équipé. Il n'y a pas grand monde parce qu'en fait, il est l'heure du déjeuner, pour tout te dire. D'accord. Par contre, tu entends du bruit venant du bureau qui est sur la droite, qui est vitré, sauf que les stores ont été baissés, là, mais la porte est ouverte. C'est ce bureau-là. Ok. Ici ? Eh bien, écoute, on s'en approche doucement. Bah, tu vois que sur la porte, il y a une plaque avec écrit « Chief Buffington ». Très bien. Je vous laisse avancer jusqu'à son bureau. Ok. Derrière le bureau, je frappe. Bah, t'as pas besoin de frapper, la porte est ouverte en fait. Très bien. Mais je frappe à la cloison. Clac, clac, clac. Pour m'annoncer. Il lève la tête et il te regarde et il fait : je peux vous aider ? Oui, chef. Est-ce que je peux vous voir un instant, US Marshall Descoteau ? Bien sûr, Marshall. Bonjour. Je vous remercie. Vous le voyez, j'étais pas très occupé là. Venez, asseyez-vous, je vous en prie. Je vous remercie, je vous remercie. Je te laisse te présenter, Clarisse. Clarisse Cold, je suis sa collègue. Ah, vous travaillez aussi pour les Marshall ? Oui. En consultante.
Dites-moi, je viens vous voir dans le cadre de la mort de Madame Izari. Excusez-moi, Marshall, hein, vous en êtes pas mal, mais j'aimerais bien voir votre carte avant de vous entendre me poser des questions sur des affaires criminelles. Mais chef Fulton, c'est avec grand plaisir. Bien sûr, je pensais l'avoir fait, en fait. Voici ma carte. Ok, il vérifie ta carte. Claro, il fait... Si vous voulez appeler, n'hésitez pas. Hein. Non, j'ai dit, je pensais que votre sous-fifre à l'entrée, ayant pris mon nom et ma carte, avait vérifié lui-même... Ouais, faut croire qu'il a oublié de le faire, Marshall, mais tout va bien. Qu'est-ce qui vous amène dans la bonne ville de Meadowbrook ? Eh bien, écoutez, la famille Izari s'interroge visiblement sur le décès de cette brave dame. Et visiblement, il y a un membre de la famille assez influent pour nous remuer et nous remettre au boulot. Donc, je viens regarder, viens voir les lieux du crime. J'ai cru comprendre que c'était une maison. Ouais, me dites pas que ça a un rapport avec le terrorisme. Avec le terrorisme Ouais, vous savez, les Izari, c'est... À ce que j'ai cru comprendre, ils viennent des Émirats arabes, les ennemis de notre grande nation. Je vais vous dire deux choses alors, chef. D'abord, je vois que vous avez poussé l'enquête bien au-delà de ce que j'ai pu moi-même découvrir. Ah, je sais pas, je vous vois arriver là. Et la deuxième chose, vous comprendrez que je ne peux pas vous dire à ce stade où nous en sommes nous-mêmes, ni ce qui nous amène, ou ce qui amène les US Marshall à enquêter sur cette famille. Ouais, bah, tout ce que je peux vous dire, c'est que la petite Izari, elle a racheté la baraque. Elle n'a pas eu... visiblement, elle était plutôt passionnée par cette maison. Elle a acheté pas mal de mobilier. Tout le monde dans la ville a profité, on va dire, de l'argent qui provenait de sa famille. Oui. Elle a acheté des œuvres d'art. Elle a meublé tout le bordel. Le problème, c'est que assez rapidement, la petite, on l'a retrouvée dans la chambre, la gorge tranchée. Ouais. Alors, dans votre rapport d'enquête, vous avez conclu à l'acte terroriste ? Non, ça c'est... Une vendetta ? C'est juste une appréciation personnelle, comme je vous vois arriver dans mon bureau, mais on a conclu au suicide. Vous savez, d'accord. Est-ce que vous pourrez me communiquer le rapport de vos hommes ? Alors, ce rapport en particulier, je ne vais pas pouvoir vous le communiquer parce qu'il a été transféré tout simplement au siège du comté. Hein. Le siège du comté, c'est facile d'accès. Il y a un certain nombre d'affaires qui concernent cette baraque. On les a archivées là-bas. Par contre, ce que je peux faire pour vous, si vous avez les tripes bien accrochées, c'est vous montrer 2-3 photos de la scène de crime. D'accord, bah oui, très bien, si vous les avez conservés ici. Alors j'ai cru comprendre qu'en fait, il y avait eu d'autres morts dans cette maison de manière assez sanglante. Ouais, il n'y a rien sur lequel j'ai enquêté, mais disons qu'elle a un pédigré cette baraque. Un pédigré que tout le monde connaît dans la ville. Enfin, tout le monde connaît, pas en détail. En tout cas, elle a une sale réputation, quoi. Bon, je ne vais pas couper les cheveux en quatre avec vous, chef. Hein. Vous aurez compris que nous, à partir du moment où on est à 6 suicides et 12 victimes, vous aurez compris que nous, le tueur en série, ça nous paraît presque évident. Tueur en série, j'en sais rien. Hein. Ça remonte à vieux. Hein. Elle a 100 ans, cette baraque, et ça fait 100 ans que ça se passe. Alors, le tueur en série, c'est un papy qui suque des fraises. Si ouais, vous savez, on en a vu d'autres, hein, des tueurs en série de père en fils. Hein, ça s'initie facilement. Ça s'apprend comme la boulangerie, hein, aujourd'hui. Enfin, il ne faudrait pas non plus penser qu'on a bâclé le boulot. Hein, non, loin de là. Loin de là. Non, mais l'enquête, elle a été faite normalement. Je veux dire, la petite, on l'a retrouvée égorgée. On a fait des relevés partout. Il n'y avait aucune empreinte. Alors le problème, c'est et pas d'armes. Voilà, c'est le souci, c'est qu'on n'a pas retrouvé l'arme. C'est quand même un gros souci pour quelqu'un qui s'est tué, qui s'est débarrassé de l'arme. Ça dure depuis 100 ans, c'est ça ? À la baraque, elle a 100 ans, ouais. Et on connaît le nom des premiers propriétaires, enfin des... Ici, on n'a pas toutes les...
enfin, on regarde pas l'historique de tout le monde, mais enfin, ce qui est sûr, c'est que au siège du comté, vous allez trouver facilement le pédigré de la baraque et de ses habitants. Voilà. Nous, tout ce dont je peux vous parler, c'est les deux enquêtes sur lesquelles j'ai bossé, c'est-à-dire celle d'Izari et malheureusement celle du votre gars, collègue. Le gars du FBI là, de Trenton. Ouais, tout à fait. Bah écoutez, dans la foulée, ce type qui meurt de manière bizarre, moi, je sais, bien évidemment, je n'ai pas accès au dossier. Vous pensez bien que je ne sais pas pourquoi ce flic était là. Maintenant, vous avez vous-même évoqué la piste de terroriste. Moi, je pensais serial killer. Deux raisons de mettre un agent du FBI sur cette affaire. On ajoute 12 meurtres dans l'équation. Là, on se dit que peut-être que ce... Comment s'appelait-il ce flic-là? Durlay, quelque chose comme ça. Bonnelay, je ne sais plus, un truc comme ça. Arthur Donnelly, ouais. Peut-être qu'il était lui-même sur quelqu'un. Il avait peut-être l'idée de... Il s'est fait surprendre par le tueur en série. Voilà, moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Bah, le type a réussi à remonter, à poser des questions, à faire un peu trop de bruit. Il s'est retrouvé sur place. Le type l'a suivi. Et ça voudrait dire que vous avez un sérieux problème sur la ville. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que sur ces deux affaires, c'est Perkin qui a fait les autopsies, notre légiste. Il y a des bizarreries, mais comment dire, il n'y a vraiment aucune trace d'effraction dans la baraque, aucune trace d'ADN ni d'empreinte absolument nulle part dans la chambre. Attendez, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Là, il sort, il va sur l'étagère qui est de ce côté-là, là, et il va chercher un dossier, il fouille un peu. Il sort un dossier qui date du 2016, et il te sort des photos, trois photos. La première, ouais, je vous avais dit qu'il fallait bien vous accrocher. Hein, parce qu'il effectivement, l'a... oui. La deuxième. Et la troisième. Voilà, ça c'est la petite Izari. Voilà. La seule blessure qu'on a trouvée, c'est cette plaie à la gorge. Ce qui est effectivement un peu étrange, c'est qu'il y a des projections un peu partout. Hein. C'est un peu comme si elle s'était tranchée la gorge, qu'elle avait fait... Et tournée sur elle-même. Ouais, une sorte de mouvement comme ça. Elle a projeté du sang un peu partout. Et on l'a retrouvée là. Bon, voilà, franchement... Vu qu'on n'a rien trouvé autour et même les collègues de Trenton, enfin les collègues de, enfin les gens du FBI de Trenton sont venus, ont fait des recherches et ont repris notre enquête et ils ont statué la même chose. Si on avait retrouvé l'arme, c'était clairement un suicide. Alors pourquoi ça, j'en sais rien. Le légiste avait estimé à peu près l'heure du crime. Ça, faudrait que vous alliez le voir directement. D'accord. Et pour l'agent du FBI, vous savez à peu près quelle heure ? Ouais, ouais. Attendez, j'ai même des choses que je peux vous montrer. C'est pareil, on a documenté la scène. En plus, c'est plus récent. C'était quelle date déjà pour l'agent du FBI ? Le 8 octobre. Regardez. Je vous montre ça. Effectivement. Il était aussi dans son... Dans sa tenue de nuit ou c'était déshabillé? Bah ouais. Ses vêtements étaient sur place. Ouais, ouais, on a retrouvé ses fringues, mais il n'y avait pas grand chose. En fait, c'était. Ce qui était bizarre, c'est que il n'avait pas vraiment acheté cette baraque encore. Il n'avait pas vraiment emménagé à l'intérieur. Il n'y avait pas vraiment d'affaires à lui, en fait. Il y avait juste ses fringues de la journée et son corps, quoi. D'accord. Ok. Attendez, il y en a une petite dernière là. Ah oui, effectivement, ça manquait, je restais sur ma faim. Ouais, mais celle-là, elle est particulière. Bon, elle soulève quelques questions, hein. Je ne vous le cache pas, mais ça, il faudrait voir peut-être avec le légiste. Il y a sans doute une manière d'expliquer ça, mais il y a eu des espèces de projections de sang et il y avait comme une trace, quoi. Une trace, une silhouette là, c'est ça? Ouais, une trace dans le sang.
Bon, je vous avoue que quand on est rentré dans la pièce, ça a un peu foutu les jetons à mes hommes. Oui, on peut imaginer quand même. Parce qu'il y a une espèce de grand miroir dans cette putain de chambre. Il n'y en a pas qu'un, hein, c'est un vrai bordel. Il y a au moins trois miroirs là-dedans. C'est une espèce d'antiquité, elles sont là depuis je ne sais pas quand. Et il y avait cette trace comme si, je sais pas, le sang avait été projeté. Mais en fait, je veux dire, en fait, c'est juste un hasard. Parce que le légiste il nous a bien expliqué que c'est impossible de projeter du sang. Même s'il y avait eu quelqu'un, si vous voulez, ça n'aurait jamais eu cette forme-là, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc moi, je pense que c'est un hasard. Je pense que c'est un suicide et que ça, c'est un hasard. Mais bon. Et l'absence d'armes, c'est un... Un gros bordel. Un accident. Ouais. C'est un gros Pardon bordel. C'est un gros bordel. C'est un gros bordel. Moi, je pense que c'est pas mal. Est-ce que donc vous m'avez dit pour retirer les dossiers, on pourrait les retrouver au siège du comité où sont les au siège du comté, comté, ouais. Du comté, au siège ouais. Du comté. Ouais, là, il y a à peu près tout ce qui concerne les différentes les archives. Bah, c'est surtout vous allez même pouvoir trouver par exemple, à mon sens, tout ce qui est cadastre. D'accord. C'est là-bas que tous... Tout ça, ouais. Ouais, bah, vous avez un contact, quelqu'un que je pourrais... Ouais, il y a un petit gars là, qui s'appelle Anthony Freeman, un jeune, un greffier qui fait la permanence. Il est assez volontaire. Bon, après, il faut pas le... Enfin, voilà, vous verrez, c'est un jeune, il est sympa. Ah, bah, c'est les gratte-papier, hein, je sais, si vous saviez, moi, comme j'en ai souffert aussi. En tout cas, Marshall... J'ai pas compris exactement. Vous allez reprendre l'enquête ? Écoutez, moi, on m'a demandé de regarder déjà s'il y avait une piste terroriste. Première chose. C'est entre nous, bien évidemment, tout ce que je vous dis là. La deuxième chose, et c'est plutôt mon sentiment, c'est le tueur en série. Et ça, je pense qu'à l'heure qu'il est, il est peut-être déjà parti. Il est peut-être déjà en train de sévir ailleurs. Alors, j'ai une trace à suivre. Voilà, donc je vais rester encore quelques jours ici pour voir un petit peu s'il a laissé des traces, s'il est encore là ou si je dois suivre une trace vers une autre ville. Mais je vous tiendrai au courant, bien évidemment, de... entre Clarisse, nous. Hein. Clarisse, est-ce que tu peux me faire un petit jet de U-Mint ? Bien sûr. Clarisse, tu le garderas pour toi, même si les autres l'entendent. À la manière dont le chef parlait et la manière dont il réagissait aux dernières paroles de Franky sur la piste du serial killer et tout, t'as quand même l'impression que clairement il est pas totalement dupe. La théorie du suicide, t'es à peu près persuadé que le chef lui-même il y croit pas, quoi. Il vous l'a servi, mais qu'il y croit pas. Et la théorie du tueur en série dont parle le Franky pour donner un peu le change, il a pas l'air d'y croire non plus. En tout cas, Marshall, si vous restez un peu dans le coin, si vous avez besoin de, comment dire, de partager les informations pour le bien de la sécurité publique, des bons citoyens de Meadowbrook, ici on est, il y a beaucoup de retraités. En plus, le quartier là où est la baraque. C'est un quartier, il y a pas mal de vieux, les gens parlent beaucoup. Voilà, si par hasard vous aviez à aller dans cette baraque, essayez d'être un peu discret parce que ici les informations vont vite et j'aimerais pas que les gens s'inquiètent, qu'on me signale qu'il y a des rôdeurs, etc. Bien sûr. Est-ce que la maison est en vente ? Pour l'instant, non, mais à mon avis, ça devrait pas tarder. De toute manière, cette baraque, je vais vous dire un truc. Visiblement, elle est passée de main en main. Qui la met en vente à chaque fois ? Vous avez un agent immobilier local ou... Alors, la baraque, je ne sais pas, il faudra peut-être voir au comté ce qu'ils vont vous dire. Oui, il y a un agent immobilier, je pense, qui va se charger de la vente. Je ne sais pas ce qu'il en est après la mort de mademoiselle Yasmina Izari. Je ne sais pas si le bien est revenu dans la propriété de la ville ou si il appartient encore à la famille Zary, je ne sais pas. Il faudrait voir ça avec le siège du comté ou passer à une agence immobilière, je ne sais pas. D'accord, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Hein. Merci, merci. Et bien évidemment,
toute avancée dans cette enquête. Alors, je vous le dis encore une fois, hein, vous aurez compris que c'est un service de flic à flic. Hein, officiellement, je ne peux pas vous en dire quoi que ce soit. Mais évidemment, s'il y a quoi que ce soit qui concerne la ville de Meadowbrook, vous imaginez bien que je ne vous laisserai pas dans l'ombre, chef. Comme vous m'avez accueilli chaleureusement, bien évidemment, c'est un échange de bons procédés entre collègues. Et vous logez où, au fait ? Oh, un hôtel. Il n'y en a pas 50. Oui, oui, bah, je ne sais pas, il y a un crétin à la loge. C'est Rome, je crois ? Ah ouais, c'est Rome Hotel, je vois. Ouais, c'est. Bon, j'imagine qu'il y a d'autres endroits un petit peu plus. Vous savez, ce sont les deniers de l'État, hein ? Vous savez ce que ça veut dire. Voilà. Il ne loge pas au palace du coin, comme vous pouvez l'imaginer. Ok, bonne chance, hein, Marshall. Merci, chef. Bonne journée à vous. Moi, juste un truc, là. Je regarde la réaction. J'essaie de savoir quelle réaction il a eue quand il a donné le nom de l'hôtel. J'essaie de voir s'il a... Laisse-moi un petit jet de... Refais-moi un jet de Youmit. Oh, alors oui. Ah putain, on l'avait pas dit. Petite précision de règle. Dans Delta Green, il y a une règle particulière qui est que quand la dizaine et l'unité sont les mêmes, si c'est une réussite, c'est une réussite critique. Si c'est un échec, c'est un échec critique. C'est-à-dire que là, il fallait que tu fasses 70. Donc si tu faisais 77 ou 88 ou 99, c'était un échec critique. Si tu faisais 66 ou 55 ou 44 ou 33, c'était une réussite critique. D'accord ? Donc il y a plus de chances de faire des fumbles et des vins naturels, pour parler en langage de donjon, que dans Cthulhu. En l'occurrence, 66, puisque ta cible c'était 70, c'est un succès critique. Clarisse, toi tu penses que clairement cette information a été notée dans un coin de sa tête de manière précieuse ? Et que, bien évidemment, c'était pas juste pour savoir où vous étiez. Ouais. Il a posé la question, mais parce que la présence d'un marshal et d'une assistante qui soulève un certain nombre d'homicides dans une affaire plutôt obscure, il ne peut pas avoir son attention qui est vraiment, vraiment attirée là-dessus, quoi. Donc, il a noté tout ça très précieusement dans sa tête. Pendant ce temps-là, nos deux amis se dirigent au Store It. Oui. Donc, effectivement, vous arrivez au Meadowbrook Store It, qui est affordable, friendly and secure. Secure parce que effectivement il y a des barbelés, une barrière de barbelés qui entoure tout le bâtiment. Vous voyez que c'est une petite entreprise de stockage qui comprend probablement de ce que vous voyez vu d'ici une centaine de box. Il y a une clôture barbelée qui fait 3 mètres de haut. Qui entoure tout, donc c'est relativement sécurisé. Vous voyez qu'il y a des caméras de surveillance, enfin, vous voyez que c'est pris au sérieux, comme de toute manière sont censées l'être toujours les entreprises comme ça de gardiennage. Il y a un petit bâtiment à l'entrée à gauche, ici, qui fait office de bureau. Il y a une sonnette avant la barrière. Ok, bah, de toute manière, dans le trajet, on a discuté, je pense, avec Sarah sur la marche à suivre. Je te propose de laisser de gérer le type de l'accueil. On sait qu'on doit aller à l'unité 22-30. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on... Bah, je pense que ça peut être intéressant de lui demander... Alors, le problème, c'est que ça veut dire que tu dois sortir ta carte de FBI, mais si on va aller voir ce qu'il y a dans l'unité 22-30, si on voit des traces de passage de notre camarade disparu... Est-ce qu'on pourrait pas demander s'ils ont des suivis de surveillance vidéo, tu sais, vu qu'il y a plein de caméras. Si on voit en effet Donley qui rentre et qui sort, c'est qu'il est venu chercher quelque chose ou qu'il est venu autour des dates de sa mort. C'était il y a combien de jours ? Il est mort le 8 octobre ? On est le combien là ? Le 15. On est le 15. Ouais, après,
Est-ce qu'on a besoin de révéler notre identité pour avoir accès à une... Non, là, non. En arrivant, non. On arrive juste, on dit, on veut... on a une clé, on a la clé du storage. Non. Mais comment on fait, alors On nous a juste donné un numéro de storage. Ouais. Ouais, c'est peut-être un accès spécial. Peut-être que quand t'arrives et que tu donnes le numéro, il te laisse passer. Enfin, je sais pas. On aurait peut-être dû poser la question. Faut tenter, en tout cas. Ah ouais, enfin, tu vois, nous... Enfin, ouais, moi, je pense qu'il faut y aller. On va demander. On dit, on fait vraiment comme si on connaissait, quoi. Tu, tu le gères ? Oui, je réfléchis parce que si c'est supposé, enfin voyons s'il faut une clé ou pas, mais c'est vrai qu'on aurait dû poser la question. Et nous, si, enfin, j'ose espérer que s'il avait fallu une clé, il nous l'aurait donné, Samuel. Sinon, c'est un peu. J'imagine. Enfin, peut-être qu'on a oublié de demander, c'est vrai aussi. Bon, bref, allons-y. Unité 2230. Donc il y a une petite sonnette à côté de la grille d'entrée. Il y a soit une barrière où on peut passer en voiture, vous pouvez très bien passer en dessous, hein. Mais sinon il y a une porte pour les piétons sur la gauche devant laquelle vous êtes, où il y a une petite sonnette. D'accord, alors on sonne. La porte s'ouvre. C'est pas vraiment une sonnette, en fait, c'est une ouverture automatique. Et là tu arrives devant ce bâtiment et à travers, il y a une porte blindée et tu vois marqué bureau, office. Mais d'accord. Il faut sonner de nouveau. Il y a une sonnette effectivement à cette porte, ouais. Alors je sonne. Entrez. Mais tu sais que tu vas. Chier. Juste à la voix. Comment il n'y a pas la musique là. Tu rentres et tu vois cet homme. Oh là là, on a un champion. Hein. Donc tu vois ce type qui est derrière son bureau, il a les deux pieds sur le bureau, il a les deux mains derrière la tête, il est devant son ordinateur, il se balance comme ça. Et puis quand tu rentres, il lève la tête vers toi, il a un cure-dent dans la main. Et... Oh là ! Mais pourquoi ? Je voudrais avoir accès à mon espace, à l'unité 2230. 2230, oui. C'est à vous, ça. Le 2230, c'est à vous. Oui. C'est quoi votre nom ? Sarah Green. Green ? Oui, Green. Alors, j'ai bien... Alors ça, j'ai bien au nom de Green. Alors, vous êtes qui par rapport à Félix ? Par rapport à Félix ? Ouais. Sa cousine. Vous êtes la cousine de Félix Green ? Ouais. D'accord. Ah ben ça, c'est pas mal, ça. Alors, attendez, bah bougez pas, ma petite. Sarah. Alors là, ça, c'est la cousine. Alors là, tiens. Hey. Alors, donc, parce que Félix, votre cousin, là. Alors, ça fait 6 mois qu'on essaye de téléphoner au numéro qu'il nous a fourni. Ça répond pas. Ça fait 6 mois qu'on envoie des courriers en recommandé qui nous reviennent parce que le destinataire n'est pas allé signer le recommandé et récupérer à la poste affectée. Il nous doit 1200 balles, votre cousin. 1200 dollars d'impayés. Alors, moi, c'est pas pour dire, mais si vous connaissez peut-être pas la loi, mais moi je peux vous la dire. Si dans 3 mois, on envoie les 1200 balles, eh ben, ce qu'il y a à l'intérieur du box, c'est pour Bibi. Voilà, c'est comme ça. Écoutez, en fait, je vais vous dire la vérité. C'est là-dedans. C'est dans le placard. Je suis venue vous voir, donc je vais vous dire la vérité. Moi, je viens... De la part de Félix. Au nom de la famille. Voilà. Régler les problèmes de Félix, parce que Félix... Ah, ben vous avez votre carte de chèque, alors. Eh ben, c'est très bien. On va s'arranger à l'amiable, parce que vous n'êtes pas le seul auprès de qui il a des dettes. Hein. Ça va pas du tout en ce moment, Félix. Oh, ben, le pauvre, je suis désolé pour lui. Je ne l'ai pas vu, moi. Il est à l'hôpital. Moi, je viens vous prouver ma bonne foi, au nom de sa famille. On va régler les dettes. On va faire un échelonnement des dettes, parce que... Je vais faire un échelonnement de l'ouverture de la porte, alors. Non, vous allez ouvrir la porte et on va payer les dettes. Ah non, on va payer les dettes et je vais ouvrir la porte.
C'est dans l'autre sens. Je vais vous donner une partie du montant pour vous prouver ma bonne foi, mais moi, je peux pas payer toutes les dettes de Félix. Vous vous rendez pas compte, en fait, ce qu'on vit, nous, sa famille. Okay. Mais qu'est-ce qui, pourquoi il répond plus au téléphone? Pourquoi il répond? Est à l'hôpital. Ouais. Voilà, l'hôpital. C'est. Donc, je vous le dis, on va payer les dettes. Je vais vous donner une partie du montant. Et je reviendrai vous donner le reste du montant. Ouais, alors écoutez, si c'est alors oui, parce que alors là, dans ce cas-là, si c'est une partie du montant, alors il va falloir que donc vous fassiez le chèque, que moi je remplisse le formulaire B7 pour l'envoyer à la maison mère. Bon, alors ça faut compter 3-4 jours. Écoutez, ce que je vous propose ou sinon, c'est qu'on gagne un petit peu de temps. Bonjour monsieur, excusez-moi, je me permets, hein, je suis avec mon ami, comme vous l'avez compris, elle est quand même. Elle traverse une période difficile. Vous comprenez bien. Ouais. Donc moi je propose qu'on gagne un petit peu de temps. Ouais. Nous, ce dont on a besoin c'est de temps, c'est de voir déjà ce qu'il y a dans cet entrepôt, savoir si on peut en tirer quelque chose. Donc moi ce que je vous propose c'est on va vous donner un petit peu de liquide et peut-être que ça va vous permettre de gagner un petit peu de temps. Moi je vous propose 200$ et déjà voilà, ça va peut-être vous permettre de continuer votre journée tranquillement. Pour voir ce qu'il y a. Et puis de ne pas remplir trop de formulaires, hein, parce que bon, nous on est un peu pressé par le temps. On n'habite pas dans le coin, on n'a pas envie d'y passer non plus trop longtemps, quoi. Fais-moi un jet de 8 minutes si tu en as. Ouais. Ouh, succès critique en 8 minutes. Tu vois qu'il y a un truc qu'il y a eu des moments. Quand t'as observé de loin dans la conversation, il y a eu des moments où le mec, il était genre un peu surpris, un peu étonné. Comme s'il y avait une couche supplémentaire à la conversation que vous êtes en train d'avoir. C'est-à-dire que t'as eu l'impression qu'il disait... Tu sais, que par moments, il essayait de cacher le fait qu'il était surpris par cette conversation. Il sait quelque chose qu'il dit pas, quoi. Quelque chose comme ça. Et maintenant, tu me fais un jet de persuasion. Alors, madame Sarah Green, ce que je vous propose. Alors, déjà, donnez-moi vos papiers. Déjà, je vais faire une photocopie de votre carte d'identité. Comme ça, je vais la joindre avec votre premier règlement et puis je vais l'envoyer à la maison mère. Hein? Non, mais là, je suis pas venue avec mes papiers. Je suis venue à vous dire que je règle la dette. On est venu en vous disant qu'on va vous donner. D'ailleurs, tu peux lui donner déjà les 200$. Et puis 200 voilà. Dollars. Mais 200$, mais ma pauvre dame, et moi je fais rien avec 200$. Il en doit 1200. Non, mais 200$, ce n'est que c'est un montant pour vous prouver notre bonne foi et on va venir régler la dette. Ah, d'accord, allez, vous pouvez laisser laisser là les 200$. Voilà, on aurait besoin d'avoir accès à l'unité parce que. Bien sûr, pas de problème. Dès que vous ramenez les 1000$ qui manquent, parce que 200, ça fait pas 1200. Mais okay. Donc quoi, on fait un chèque? Non, comme jamais de chèque, t'es folle. Bah, tu liquides. Faut pas qu'ils aient notre identité. Hors de question. Mais tu as alors il se trouve que toi Ramon t'as quand même beaucoup d'argent, t'es quand même un mec aisé aux États-Unis, médecin, tu as 60% de chance d'avoir 1200$ en liquide sur toi. Donc je fais un lancer. Ouais. C'est raté. Là, alors oui, toi, t'as pas les 1200, t'as 800$, t'as 800$ en liquide sur toi. Moi j'ai un peu d'argent quand même. Ouais. Sans doute. Donc est-ce que je peux voir combien j'ai? Non mais je m'en fous. Non non mais ouais, alors, déjà il a 800$. Oui ben bah, voilà. Alors il en manque 400. Est-ce que t'as 400$? Vu ton niveau de salaire, il y a 40% de chance que t'aies 400$ sur toi. Je vais essayer. Tout au bout à droite de la ligne des voilà. Eh bien non, tu as 50$ sur toi. OK, je donc, à vous deux vous avez 850$. Votre téléphone sonne. Quel téléphone sonne, Francky? Un collègue des forces de l'ordre. Sarah, ton téléphone sonne. Oui. Ah, c'est Francky, vous en êtes où là? On en est qu'on a, un problème d'argent. C'est quoi cette histoire? Il y a une dette autour du box et il nous manque 350$ pour pouvoir avoir accès à la Green Box. Et dans le coffre, on n'avait pas vu de
fonds spéciaux ou dans le sous-coffre des SUV Non, non. Et d'accord. Moi, je... Non, non, mais... Par contre, ça... t'as deux grenades, une dans chaque poche. Non, ouais, non, mais tu vois. Mais non, mais je peux retirer, enfin, 400 dollars. Non, mais... Ma femme, elle va rien dire. On est en chemin, de toute manière, on arrive. Ok. Est-ce qu'on a trouvé un ATM? Oui, il y a un ATM à 200 mètres à pied. Je traverse ces 200 mètres et je retire 400 dollars. Ok. C'est fait. Je prends les billets, je les garde sous la main et je lui dis dites-moi cher ami, on a l'argent. Par contre, j'ai une petite question. Ah bah vous avez l'argent, On a droit aux réponses. Vous avez la clé. Enfin le code. OK. Dites-moi Brian, est-ce qu'il y a eu du passage ces 6 derniers mois parce que comme vous l'indiquez mon ami, on s'inquiète de la santé mentale de Green. Est-ce qu'il y a eu du passage ces derniers mois? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui est venu voir la 2230? Oh, j'ai du mal à me souvenir. La 2230. Est-ce que je lui dis voilà un homme d'une cinquantaine, soixantaine d'années, les cheveux blancs. Un homme, oh là là, je sais que le souvenir il est là, il est pas loin. Il est pas loin le souvenir, il suffirait de pas grand chose pour qu'il sorte le souvenir. Ouais. On a un peu d'argent qui reste là, oui, 50 dollars. On rajoute 50 dollars. Ouais. Alors écoutez, figurez-vous. Que le 1er octobre, il y a un autre de vos cousins qui est venu. Vous êtes nombreux dans la famille Green. Hein. Ah, les Green, bah oui. Ça s'appelait Paul. Ouais. Un certain Michael Green. Michael Green. Ouais. Bon. Je l'ai pas laissé rentrer. Hein. Mais. Bizarrement, ça reste entre nous. Hein. Le lendemain, il y avait un peu de terre dans l'allée, là. Donc le bonhomme, ça m'étonnerait pas que... Pendant la nuit. Il est revenu. Et puis, quelques jours plus tard, bah il y avait sa gueule dans les journaux. Ah oui, cousin. D'accord. Vous voyez ? Madame Green. Hé, hey, Madame Green. Ouais. Ouais. Ouais, un dossier compliqué, hein. Ouais, c'est compliqué chez les Green. Ouais, c'est compliqué, on vous fait pas dire, on est enfin. Ben voilà. Bon ben allez, vous pouvez y aller, 2230. Le code, c'est 2001, comme l'Odyssée de l'espace. Très bien. Merci. Je vous accompagne, je vais vous montrer où c'est. À 2230. Voilà. Ah, il est où, putain. Bon, voilà, je vous ai dit le code. Hein. Ben, merci, c'est bon. Merci infiniment, hein, Brian. Quel accueil dans votre ville, hein. Franchement, c'est la première fois que je viens dans votre charmante ville et vraiment, depuis qu'on est arrivé, on sent vraiment quelque chose. Hein. Ah, ils sont nombreux les Green dans la ville. Ça, c'est ça. Ouais. Vous avez compris qu'il y a des volets roulants qui s'ouvrent automatiquement lorsque vous mettez le code. Ouais, oui, bah, on attend qu'il s'éloigne. On va attendre qu'il s'en aille. Ah, je dérange là ? Ouais, bah en fait, voilà, c'est story, c'est censé être des boîtes confidentielles et privées, non ? Je ne sais pas, c'est ce qui est écrit sur le panneau. Non, je sais pas, non, mais voilà. C'était juste au cas où. Bon, bah non, mais je vais mettre plus loin. Hein. C'est Dragibus, vous les avez laissés à votre bureau, je crois. Bon, bah voilà. Je vais aller nettoyer celui-là. Là. Un petit coup. Je fais changer l'ampoule de celui-là, tiens. Hop. Allez, on peut rentrer du coup. Tape le code 2001. Il voit là. Non, mais c'est bon, faut y aller là. Vas-y. Allez. Vous tapez le code, touche après touche, et il vous reste juste à appuyer sur le petit bouton vert. Vous appuyez dessus, j'imagine. Ouais, oui. Carrément. Juste une question, est-ce qu'on a des instruments pour faire des prises d'empreintes ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez des instruments pour faire des prises d'empreintes? On va imaginer que ceux qui sont censés en avoir l'ont. Toi, en l'occurrence, c'est pas a priori quelque chose que tu pratiques. Notre ami médecin non plus. Peut-être que Sarah a un kit
Le Marshall, je pense pas. C'est pas la prise d'empreinte, c'est pas sa spécialité non plus. Sarah, t'as peut-être un kit. D'accord, donc j'ai un kit. Avant d'appuyer sur le dernier bouton, ce serait peut-être bien de savoir quelle est la dernière personne qui a appuyé sur le bouton. Bah, on sait qui est la dernière personne, a priori, qui est rentrée dedans. C'est lui, hein. C'est, notre c'est Arthur Dunley, il est venu deux fois. Donc la porte est fermée, d'accord, que tout est fermé et vous prenez des empreintes. Ouais. Oui. D'accord. Sarah, tu prends des empreintes, tu comprends que il y en a de nombreuses. La plupart doivent être inexploitables parce que d'abord elles sont superposées les unes aux autres. Ensuite, tu dis que sur ce type de clavier, possibilité aussi qui est en extérieur, possibilité que les intempéries ont effacé une partie. Il y a une empreinte que tu peux récupérer et qui se trouve sur un des chiffres. Voilà, une empreinte claire. Ok, mais je la récupère. D'accord. Est-ce qu'il y a des caméras alentour ? Oui, il y en a beaucoup. Je regarde combien il y en a sur le périmètre là de la porte. Alors, en fait, dans l'allée, il y en a quatre. Il y en a quasiment une à chaque coin. Si tu dézoomes, je vais te montrer où elles sont. Ok. Tu en as une à gauche. Ok. Là, une ici, là, une ici, là, et une ici, là. Donc, à L4, elles couvrent toute l'allée, en fait. D'accord. Henri, il y en a une sur la rue ? C'est interdit d'avoir des caméras sur la rue. Tu sais, aux États-Unis, t'as pas le droit de filmer. Oui, oui. Enfin, en France non plus, d'ailleurs. T'as le droit de filmer que dans ta partie privée. T'as pas le droit de filmer la partie publique. Ouais. Donc, ça filme que jusque-là, en gros, quoi. Ah, ok. Non, parce que faudrait voir... Bon, le problème, c'est qu'il va nous redemander un billet. Ouais. Mais en fonction de ce qu'on trouve, faudrait peut-être demander s'il a gardé les traces des vidéos. Tu vois, si on voit que quelqu'un l'attend à l'entrée, ou tu vois. Est-ce que quelqu'un a du sigite ? Sigite. Moi, j'en ai pas. Non, personne n'en a. Ok, alors vous faites tous un jet de vigilance et il me faudra une à moins 20%. Donc il faut réussir à moins de 20. Ah, donc Ramon, c'est un succès à moins de 20. Ramon, toi, oui. Tu repères une faille de sécurité. C'est-à-dire ? C'est qu'en réalité, les quatre caméras, elles sont tournées vers l'intérieur de l'allée. Et que donc, si quelqu'un passait par l'entrée, il serait vu. Mais si quelqu'un passait par ici... Attends. C'est-à-dire par... Ouais, je suis pas sur la carte. Ah, ok. S'il passait par-dessus, mais à l'extérieur de la boutique et qu'il montait sur le toit... Sur le toit. On le verrait pas jusqu'à ce qu'il arrive là où vous êtes. Donc c'est peut-être ce qu'a fait notre ami. Alors parce après... qu'ils ont retrouvé des traces de boue, hein, c'est ça ? Ouais, c'est ce qu'il t'a dit, ouais. Et de l'autre côté, c'est quoi le... C'est un terrain vague derrière ? Derrière, c'est d'autres entrepôts, des usines, des entreprises. Vous êtes dans une zone industrielle, hein. Indus, d'accord. Ok, bah en tout cas, c'est bon à savoir. Ok. Ok. Bon, bah, on ouvre. T'as fait tes relevés, hein ? Qui ouais. ouvre ? Prélèvement. J'appuie, moi, sur le bouton vert. Moi, je suis en couverture. Et vous voyez ça devant vous ? De la terre. Oh, il y a des photos, il y a des éléments là. Donc, ouais, faut qu'on. Je pense qu'on est précautionneux, évidemment. On fait des photos avec nos portables. Mais il y a un cercueil, les gars. Ah oui, c'est un cercueil. Alors, est-ce que vous voulez que je. En fonction de ce que vous me montrez, je peux vous montrer des détails plus importants. Bah, écoute, moi, je. Évidemment, d'abord le cercueil, je pense que c'est ce qui nous interpelle quand même en premier. Ouais, les photos d'accord. aussi. Et les photos, mais d'abord les le cercueil. Les photos pleines de terre. Hein. Ouais, bah oui, qui viennent du même endroit, a priori. On ouais. passe de droite à gauche, on va tout faire. Ouais. On enfile tous des gants. Ouais. On rentre pas tous, déjà. On va laisser... Pour rentrer tous, ah, c'est grand ou c'est à l'échelle, oui, là oui, vous pouvez, oui. Non, vous pouvez faut rentrer tous et refermer derrière. Attends, t'imagines, t'as l'autre Non, on va le calmer, l'autre. Moi, je reste devant, là, en protection, je regarde un peu ce qui se passe, et puis surtout, je le tiens à distance. D'accord. Ok. Donc on commence peut-être, on va moi faire de droite à gauche, Sarah. Ouais. Donc déjà, toi, commence à prélever peut-être des empreintes ouais. dans la boue, si j'essaie c'est possible. D'en prélever au maximum. Des empreintes, il y en a, et elles sont situées à peu près autour du cercueil. Vous voyez que la terre qui recouvre le cercueil et qui est en dessous du cercueil, effectivement, il y a 2-3 empreintes que tu peux relever sans problème. Mmh.
En vous affairant autour de ce cercueil, vous avez aussi immédiatement quelque chose qui attire votre regard. C'est ça. La plaque, bien entendu. Antoine Turé. 1957-1966. Ah, c'est un bébé, quoi. 9 ans. Un gamin, quoi, 9 ans. Ça vous met tous super mal à l'aise. et vous me faites un petit jet de santé mentale. Ah bah tiens, bienvenue au club. Je me permets. 47, facile. Est-ce qu'il y a une odeur ? Il n'y a aucune odeur. Il s'ouvre, ce cercueil ? Ramon, tu lances un des quatre. Petit métageux. C'est pas vous qui allez enlever vos points de santé mentale. Vous n'avez pas besoin d'enlever sur vos fiches. C'est nous qui le faisons, de telle sorte que vous savez plus combien vous avez de points de santé mentale. C'est les maîtres de jeu qui le dirigent. Okay, un détail sur ce cercueil, c'est que le bois du cercueil a l'air ancien. Il est verboulu, on sent qu'il a passé un certain temps dans la terre. Par contre, la terre qui est autour a l'air plus récente. Qui vient d'être déterré. Ouais, c'est ça. Bah, c'est les traces de boue datées du 1er octobre. Donc, ça a l'air d'être ça. Quelqu'un, en tout cas, certainement. A ramené. Ouais. Est-ce qu'il y a plusieurs traces d'empreintes qu'a relevées Sarah, ou il n'y a qu'une seule paire de chaussures ? De vraiment exploitable, il y a une empreinte. D'ailleurs, on la voit, elle est partiellement ici. Ouais. Il y en a un bout qui est là. C'est une chaussure que vous voyez tout de suite comme étant de taille assez grande. Au moins du 40. Voilà, type botte. Sarah, tu veux procéder comment ? Tu veux ouvrir le cercueil ou continuer d'abord ? Je ouvre le cercueil. Je m'en occupe peut-être. Je dis, attendez, ne l'ouvrez pas parce qu'il n'y a pas d'odeur. Donc, soit il est fermé hermétiquement, soit il est complètement vide. Et s'il est hermétique, il vaut mieux... Je serais d'avis de mettre des masques, hein, de se protéger. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il vaut mieux avoir une équipe de légistes qui s'en occupe. Non, on n'a pas de légiste qui viendra ici. C'est interdit. Personne ne viendra ici, tu sais bien. Là, on délivre à nous-mêmes. Sur nous, ouais, j'ai envie de voir. Faut qu'on soit tous d'accord, mais là, on les livre à nous-mêmes. On peut pas. Finissons la salle. On finit, d'accord, très bien. Donc, moi, ce qui m'intrigue ensuite, si on continue le tour. C'est ces deux pelles. Deux pelles. Je vois s'il n'y a pas d'empreinte. On en a fini avec le cercueil ou vous revenez ? On va y revenir. En fait, on va finir avec le cercueil. Ok. Comme vous le voyez, il y a un vieux canapé qui est là. Si je continue dans le tour. Deux pelles, effectivement. Dont une est partiellement couverte de terre. J'ai une image un peu plus précise. Voilà. Ce que vous voyez en face sont c'est des barils radioactifs de matière dangereuse. Voilà. C'est radioactivité. C'est des conteneurs de biohazard, c'est-à-dire que effectivement, c'est des conteneurs dans lesquels on peut mettre des déchets. Ils sont pleins. Toi, tu connais bien ça, Rama. Ouais, c'est pour ça. C'est pas le symbole biohazard, hein, ça. C'est le symbole radioactivité. Peut-être une erreur, mais... Ah oui. Ouais, radioactivité. Biohazard, c'est arrondi avec des pointes. C'est biohazard. Ça sera le symbole biohazard. Ça, ce que vous voyez à côté, c'est de la chaux. C'est des sacs de chaux. D'accord ? Avec deux matelas contre le mur derrière. Et il y a ces containers, effectivement, biohazard. Bah, est-ce qu'ils sont vides ? Pour ça, il faudrait que tu ailles regarder dedans. Je vais les sous-peser, déjà. Juste deux matelas. Tu les soupèses ? J'en remue un petit, mais doucement, quoi, tu vois, pour voir s'il y a quelque chose dedans. Écoute, toi qui as l'expérience de ce type de matériel, ça te paraît très léger. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été remplis. Je vais peut-être en dévisser un et faire un petit prélèvement. Tu vois, je vais racler un peu le bord, voir si je pense qu'ils ont été vidés, en fait. Tu veux ouvrir le bouchon, déjà ? Vous en pensez quoi ? Je pense que c'est carrément pas une bonne idée. Sans masque, sans rien. Non. Mais à la fin, pareil. Je ferai ça à la fin. Quand tout le monde sera sorti, je mettrai un masque et je regarderai ce qu'il y a dedans. Très bien. Vous continuez votre tour d'horizon ? Ouais, donc la chaux, là. J'ai pris des empreintes sur les pelles. Deux sacs de chaux ? Ouais. Sur la table. Je commence la table.
Attends, juste pour revenir à la chaux, moi en tant que médecin et le côté légiste, la chaux, ça me parle, non? Bah, c'est pour la chaux, destruction toutes sortes d'utilisations possibles. Ouais. En fosse commune, c'est ce qu'on fait sur les cadavres pour les aider à la, pour les aider à la décomposition. Là, il y a quand même un cercueil, des pelles, de la chaux. Bah ouais. Et de la substance. Et certes, peut-être de l'acide. Peut-être de l'acide. Peut-être de l'acide. Là, il y a des gants. Il y a de l'acide. Alors, l'acide nitrique. Sur la table, laissez-moi vous. Je vous ai pas expliqué ce qu'il y avait sur la table. Vous voyez les images, mais il y a quatre paires de gants de travail qui ressemblent aux gants que vous avez. Il y a une lampe frontale. Quatre paires de gants. Oui. Il y a un appareil photo Nikon Reflex avec un téléobjectif. Avec une pellicule ou une carte. À carte. Il y a un carnet, visiblement, de notes. Il y a des passeports. Combien ? Il y a, je vais vous dire exactement ça. Bah, on les voit, il y en a un paquet. Il y en a beaucoup, hein. Ouais, ouais. Il y en a un paquet ou un 6. Attends, je pense qu'il faut rappeler peut-être quand même que cette cache, c'est la nôtre. C'est... Hein. C'est... Oui, c'est pour tout le monde. C'est normal. Mais là, c'est du matos qui est mis à notre disposition. Maintenant, il y a quelqu'un qui est passé, qui a eu accès. Il y a quelqu'un qui s'en est servi. Ouais. Voilà. Mais ce matos, les passeports, théorie, ça paraît normal. Est mis à notre disposition par l'agence. C'est ça, non, mais les armes, non, les passeports. Je voulais rappeler ça, on n'est pas en train de faire d'accord. La cache d'un bandit, c'est notre cache. Mais ils sont à quel nom, les passeports? Il y a quoi comme photo dessus? Oui, regardez. Tu regardes les passeports. Je voudrais voir les passeports. Tu vois à l'intérieur des passeports, sur la page, la première page, là, déjà tu vois la photo de l'agent Dunley. Certains passeports, tous les passeports sont à des noms différents. Et à l'intérieur des passeports, il y a aussi des cartes professionnelles. Il y en a une en tant qu'inspecteur des gaz de Meadowbrook. Il y a aussi un passeport, une carte d'assistant, de légiste adjoint du comté. Et vous, en fait, vous comprenez que c'était différentes identités utilisées visiblement par Dunley. C'est quoi l'histoire des gaz là ? Ouais, j'ai retenu. Ouais. C'est quoi ? C'est bizarre. Les six passeports. C'est une inspecteur des gaz de Meadowbrook. Ça peut lui permettre d'avoir accès aux souterrains, aux canalisations. Canalisations. Okay. Il y a deux fusils à pompe. Je continue à vous décrire juste ce que vous avez devant les yeux. Fait. Deux fusils à pompe Mossberg 9, dont vous voyez assez rapidement que les numéros de série ont été effacés. Ouais. Et je les sens pour savoir s'ils ont servi. Bien vu. Ils n'ont pas servi. Eh bien. Je vous montre un autre plan de la table. Parce que à côté de ces fusils à pompe, il y a 400 cartouches de chevrotine de calibre 12 pour les fusils à pompe. Faut ça. Hein. C'est une bonne moyenne. Il y a deux gros bidons d'acide. Ouais, bah oui. La chaux plus l'acide, ça fait beaucoup là. Et il y a également 14 petits bidons d'essence. Oh là là. Mais ça, encore une fois, c'est peut-être Delta Green qui laissait ça là. Ah non, mais c'est la cache de Delta Green. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut qu'on détermine, nous, c'est ce qui a été amené là. Parce que je pense que c'était la planque de l'agent Donnelly. Et il faut un peu ce qui sera intéressant. On va voir ce qui a été apporté par lui et ce qui était déjà dans la planque. Tu vois. Attendez, oui, mais je pense que là, l'idée, c'est... Pardon, vas-y, ça. Le truc très bizarre, c'est que Samuel nous a dit que Donnelly, il n'a pas été mandaté par exactement pour venir. Et donc, du coup, je trouvais déjà ça bizarre, en réalité, qu'il n'ait pas été mandaté par Delta Green. À la base. Tout à fait. Pourquoi il s'occupe de cette maison ? Visiblement, il y a six passeports avec la photo de Donnelly et des identités différentes. Il ne les a pas fait tout seul. Non, il enquêtait, ouais. Mais il n'enquêtait pas, il n'a pas les moyens. Il est forcément Delta Green qui enquêtait déjà, en fait. Oui, sauf qu'il a peut-être utilisé sa connaissance de Delta Green et des caches, mais pas forcément pour une mission confiée par Delta Green.
pour une mission Comment, pourquoi, oui, tout à fait. C'est quoi le carnet? On peut regarder? Oui, on peut regarder le carnet, évidemment. Vous allez regarder le carnet, mais avant, je vous donne le dernier élément que vous ne manquez pas de rater, parce que vous avez besoin, vous avez besoin effectivement d'éviter de marcher dessus, parce que c'est par terre, c'est recouvert de terre, et c'est ceci. C'est des photos de la maison en question. Ouais, allumée. Et il y a un truc brisé dessus, c'est quoi? C'est une tasse de café, c'est quoi? Non, c'est de la terre. C'est de la terre, des débris. Les photos sont, certaines sont en partie brûlées. Elles sont en fait telles que vous les voyez. Ok. Donc il a surveillé la maison. Je pense. Photo de la maison. Est-ce qu'on peut récupérer la carte de l'appareil photo? L'appareil photo. On peut même regarder les photos directement dessus. Next step. Ouais, on peut regarder. On a nos gants, hein, donc bon. Ok, vous actionnez l'emplacement de la carte et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de carte dans l'appareil photo. Il n'y a pas de carte. On va la retrouver. Et le carnet? Et le carnet? Le carnet, sur la couverture du carnet, il y a écrit A. Donnelly. Voilà, il y a des pages. Est-ce que vous voulez que je vous le traduise? Allez, en anglais? Ouais. Ouais, vas-y. Commence. 16 novembre 2016, Yamila a été trouvée morte avant-hier. Un suicide aussi, officiellement en tout cas. Il y a plus d'un an, j'ai essayé d'alerter DG à propos de cette putain de maison de Wheeler. DG? En vain. Delta Green. Delta, ok. Je sais pas. Je leur ai probablement pas donné assez d'informations au sujet de ce putain d'endroit. Mais maintenant, ça va trop loin. Beaucoup trop loin. Alors j'ai décidé d'enquêter de mon côté, d'enquêter plus, pour réunir suffisamment de preuves tangibles. Si DG ne veut pas s'en occuper, qu'ils aillent au diable. Moi je ferai ce qu'il faut, je ferai le boulot. J'ai décidé de prendre des notes au cas où quelque chose devait m'arriver. Le secret, ça a ses limites. Mon boulot au bureau de Trenton ne me laisse pas beaucoup de temps libre, mais je vais faire de mon mieux. Je lui dois à elle. Bon sang. 18 novembre 2016. J'ai grandi à Meadowbrook. J'ai toujours entendu parler de la maison Wheeler et de ce que les voisins pouvaient dire à son sujet et de ce qui s'est passé. Quand j'étais gamin, cette grande maison au milieu de Spooner Avenue, ça faisait partie de la légende locale. C'était un peu comme notre maison hantée à nous. Dans ce temps-là, j'y croyais pas trop à cette histoire. C'est vrai que la maison a toujours eu l'air un peu étrange, à mes yeux. Mais j'ai toujours pensé que c'était juste une histoire qu'on disait aux gamins pour leur faire peur un petit peu le soir. En tout cas jusqu'en 2007. Quand j'ai appris la mort de Madame Baintree et de sa famille, cette année-là, je travaillais déjà au FBI, j'ai décidé d'utiliser les ressources du bureau pour regarder d'un peu plus près l'histoire de cette maison. Ce que j'ai découvert m'a fait réaliser qu'il y avait quelque chose de très très spécial au sujet du 1206 Spooner Avenue. Quelque chose qui aurait dû être intéressant aux yeux de DG. 1er décembre 2016. En 2014, quand Falcon est mort étouffé dans la chambre du haut, sans la moindre explication rationnelle, encore une fois, j'ai su qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose. J'ai profité du fait que la maison était à vendre pour y regarder de plus près, en me faisant passer pour un acheteur potentiel. Et c'est là que je l'ai senti, ce sentiment bizarre. À peine étais-je entré dans la maison que j'ai senti une envie irrésistible de l'acheter. Comme si ce foutu endroit m'avait ensorcelé. C'est probablement ce qui est arrivé à chaque fois, avec les autres. Et probablement l'aurais-je acheté moi-même si les années que j'ai passées au sein de DG ne m'avaient pas appris à garder un contrôle absolu de mon esprit, dans toute situation. J'ai réussi à combattre cette envie, ce besoin, mais ça s'est joué à pas grand-chose. C'est là que j'ai commencé à en discuter avec mon officier traitant, chez DG, mais ça a servi à rien. Il y a une photo de collé, là. Ouais. Vous la voyez toutes? C'est un mariage, c'est lui qui se marie? Non, c'est pas lui. Hein. Ah, ok. Ouais. C'est une photo très présentielle, ouais. Et un dessin à droite, à la main. 3 février 2017. Quand j'ai appris début 2015 que mademoiselle Isari voulait acheter la maison, j'ai essayé de l'en dissuader.
J'ai essayé de pas en dire trop. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour la garder éloignée du 1206 Spooner Avenue. Mais elle était encore plus ensorcelée que moi je l'avais été. Et il n'y a rien qui n'a pu l'arrêter. Yamila a acheté la maison et elle a emménagé. Putain de tragédie. C'est là que j'ai commencé ma surveillance. De plus en plus souvent. Je suis resté en planque pendant des heures à regarder la maison. Plus le temps passait, moins Madame Issari avait l'air de sortir de la baraque. J'ai essayé de voir à travers les fenêtres ce qu'elle faisait à l'intérieur. Je pouvais bien voir qu'il se passait quelque chose, mais quoi ? Là, il a fait un dessin d'une femme. 12 septembre 2000... Pardon, la photo, c'est pas Madame Issari. Non, ça a l'air beaucoup plus ancien. Ouais. 12 septembre 2017, l'été a passé, Yamila a mis fin à ses jours. Enfin, officiellement en tout cas, une fois de plus. À l'époque où je la surveillais, parfois j'ai eu l'impression qu'elle n'était pas toute seule dans la maison. Et ça faisait plusieurs jours qu'elle n'avait pas répondu au téléphone quand on l'a retrouvée morte. La maison est toujours vide, pour l'instant. Tant mieux. Mais j'ai décidé de reprendre ma surveillance quand même, on sait jamais. Ce soir, rien. Il me manque quelque chose. Il faut que je reprenne mon enquête depuis le début. Il faut que je regarde encore tout ce que j'ai trouvé. Que j'élargisse le champ de mes recherches. En dessous, il y a marqué « Tué égale pas mort ?» pour l'interrogation. Qui erre dans la maison, point d'interrogation. Seulement la nuit, point d'interrogation. Une tombe, point d'interrogation. Une pelle, des gants, une lampe frontale, du liquide. La brûler, Chris a essayé, ça n'a pas marché. Les autres, de la musique dans la salle à manger. Des rires, du bruit en haut. Parler aux survivants, législation sur la santé mentale au Canada. Falcon est mort. Le légiste, point d'interrogation. Sur le côté, écrit en vertical. Les meubles de Wheeler. Les papiers. Les livres, point d'interrogation. L'immobilier, point d'interrogation. Plus bas. Je lui ai parlé ce soir. It étant un ça, j'ai parlé à ça ce soir. Ça connaissait mon nom. Ça sait que je le regarde. Plus loin. Toujours aucun mouvement. Ouvrir la maison la semaine prochaine. En plus gros, l'acheter, la brûler. Et en dernier, à côté d'un dessin assez sombre avec plusieurs silhouettes, où se trouvent les meubles de Wheeler. Il faut que je les trouve. Wheeler. Et à la fin, deux photos. Et Wheeler, du coup, c'est qui Wheeler ? On n'a pas entendu. C'est le nom de la baraque. Et ça, c'est le nom de la maison ? Wheeler ouais. House. Pour trouver les premiers propriétaires, je pense, non ? Où se trouvent les meubles de Wheeler ? Et on se rappelle aussi que Yamila a dépensé beaucoup d'argent dans la région, enfin dans la ville, pour acheter du mobilier, a priori, des tableaux. Donc est-ce qu'elle a pas essayé de racheter elle aussi des anciens meubles qui appartenaient à la maison, qui s'étaient perdus, tu vois ? Et sur la photo, la femme qu'on voit, elle est en fauteuil roulant, et l'enfant, ce serait l'enfant de la tuerie. L'enfant tué peut-être, et la dame, on sait pas par contre qui c'est. Hein. Bah, c'est la même photo que celle des mariés. Du marié. C'est vieux. Pour nous, ça nous paraît être des vieilles photos, plutôt années 40-50. Ouais, regarde comment elle est fringuée. Ça a l'air pas tout jeune. En tout cas, de toute façon, on a la date de naissance de l'enfant, 1957. C'est ça, années 50, ouais, d'accord. 1957 jusqu'à 66. Dans un fauteuil roulant au moment de son mariage. Ouais. Est-ce que vous pouvez tous me faire un jet caché de vigilance ? Non. Là où il y a écrit tout le monde, vous allez sur uniquement le MJ. Ah oui. Okay. Rocky ? Oui. Oui, je suis là. Je t'entends et je t'écoute. Écoute un peu ce qu'ils sont en train de découvrir à l'intérieur de cette boîte tout en surveillant que personne se pointe dans l'allée. Ouais. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui attire ton regard. Ouais, c'est quoi ? C'est une caméra. Oui. Qui était située là où tu as vu les caméras. Sauf qu'elle bouge un tout petit peu. Elle se met dans l'axe.
du box dans lequel vous êtes. C'est...